Bonsoir. Adwim? Adwim, tu t'es muté, je crois. Adwim. Bonsoir. J'entends mon stream en double. J'entends mon stream en double, Adwim. Ça, j'ai coupé. Vous venez souvent dans ce bar, hein? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Tu veux me montrer ta bite, c'est ça? Avant que t'arrives, j'étais en train de chercher sur Google noir célèbre. Pourquoi? Attends, avant que je finisse ma phrase. Voilà. D'accord, oui, la bière évidemment pour apporter un peu de crédit à ce que tu dis, vas-y. Oui, voilà. Non, mais pour rien du tout. Bon, attends, je vais me servir mon verre. Ok, d'accord. Oui. Attends, je coupe la musique, attends. Vas-y. Oh, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. On entend que dalle. Tu sais ce qu'on peut entendre par contre? Non. L'intro de nos anciennes vidéos. Attends. Là, juste de la vidéo 2? De la vidéo 2 que tu m'as envoyé tout à l'heure. C'est-à-dire que donc. Coupe au niveau de la blague, s'il te plaît. juste après la blague. Je coupe juste après la blague, d'accord? De toute façon, ce sera pas supportable. Je vais écouter moi aussi. Ce stream de Resident Evil 5 là ce soir, c'est un petit peu notre revanche sur la vie. Déjà, bon, voilà. Nico lâche des caisses. Est-ce que t'as ouvert OBS, Adwim ou pas? Pour avoir les caisses? Non, bon, c'est pas grave. Attends, je vais l'ouvrir. Merci beaucoup Nico. Donc ouais, on va faire Resident Evil 5 et puis on espère aussi que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Pendant que tu passais de la musique, j'ai mangé les chips au fromage à la mayonnaise. Tu vas me laisser faire mon intro. Les chips à la mayonnaise, c'est super. Au lieu de parler de tes chips à la mayonnaise japonais là. T'aimes pas les chips à la mayonnaise? J'ai jamais goûté. Mais là, tu veux pas savoir? Mais évidemment que je veux pas savoir. Non putain, mais moi je pensais que ça allait être sauce samouraï ou un truc qui pique, mais c'était bon. Mais non, c'est marqué mayonnaise. Bon putain, mais là. Bref. Donc ouais, comme vous le savez, Resident Evil 5, on a fait déjà un vieux playthrough dessus qui était éclaté, qu'on n'avait même pas fini en plus. Il y a 10 ans maintenant. Non. C'était ça, c'est en 2010. En 2010, oui, c'est ça. Tu veux que j'aille voir quand est-ce tu que. Peux, tu peux aller voir, mais je crois que la première vidéo elle date de fin 2009. De fin 2009. Il me semble. C'est plus haut qu'Iwojima. Oui, parce que sur l'intro, c'est déjà marqué PT4D. On va vous montrer l'intro de cette vidéo. Attends, je regarde juste la date. Il y a 10 ans! Il y a 10 ans, voilà. Ça fait 10 ans qu'on a commencé Resident Evil 5 et ça fait. On l'a jamais fini. Parce qu'on s'est connu un peu avant. Enfin, sûr, quand même, avant ça, on s'est connu bien avant ça quand même. Pas longtemps. Sur FTJ. Ouais, mais 6 mois, moins d'un an. Moins d'un an, parce que c'est la PT4D, donc c'est après FTJ, je crois. Oui. Après, il y a eu la pute. C'était avant ou après la PT4D? C'est après la pute, ouais. Après, il y a eu autre chose. Il y a eu plein de choses, bref. Et donc, l'intro de nos vidéos de Resident Evil 5, c'était ça. Alors, attends, bouge pas, je vais foutre mon navigateur. Tais-toi, Adwim, du coup, ou mute-toi pour pas qu'on entende le stream. Mais ok, c'est parti. Oh, putain. Mais attends, c'est parti, mec. Et Adwim? Ouais. Oh putain. Tu sais à quoi ressemble l'entrejambe de la mère de Cald après une journée? Je sais pas. T'as déjà essayé de donner un yaourt à un bulldog? Oh putain. Coupe, j'en peux plus. Je peux juste vous montrer, sans le son, juste vous montrer la gueule, la gueule du playthrough. Attends, sans le son, regarde. On jouait en très très low, y a ton son qui faisait un écho. Vas-y, mets un petit peu de son, mets 3 secondes. Attends. Oui, mais il s'en fout, bah je vais pas les lire. Oh là 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 là, putain, c'était un micro dégueulasse, c'était tout buggé. Adwim, en fait, moi je pouvais jouer au jeu tranquille, mais ton PC était tellement pourrave que t'étais obligé de le jouer en low, et je sais même pas pourquoi c'était pas moi qui l'enregistrais en plus, et c'était catastrophique, quoi. Je pense qu'on avait les mêmes PC, mais c'était pour enregistrer, ça les mettait à bout de souffle, quoi. Oh ouais, c'était incroyable, c'était ça, voilà, enregistrer des vidéos il y a 10 ans, c'était ça. C'était pas Jack of Blade of Man, c'était Luffy. Pourquoi on est obligé de reparler de ça? On est obligé vraiment encore. Écoute, partons directement sur Resident Evil 5. Je pense qu'on a assez souffert comme ça. Oui, attends, je mets ma liste de personnes noires connues à côté de moi. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu veux des noms, c'est ça? Tu veux faire des vannes dégueux, c'est ça? J'ai déjà un arbre contextuel de blagues que je peux faire selon l'origine de la personne. Les vieilles vidéos, c'est toujours le cringe. Et c'est toujours en fait des cringes qui sont assez spécifiques. C'est-à-dire les vidéos de Resident Evil 5, déjà, elles étaient dégueu. Et en plus, les trucs qu'on disait dedans,
On en dit, je pense, des pires maintenant, mais qui sont un peu plus intelligemment dits. Donc ça va. Avant, ça balançait vraiment après, des. Moque, mais au même âge, il se foutait des trucs dans le nez. Enfin, c'était. Ah bien sûr. Il vivait encore chez les parents, mais il se branlait tous les soirs sur une vidéo sur Pornhub, quoi. Donc fermez vos gueules, les gars. Mais qui c'est qui se moque par contre? Non mais de quoi tu parles? Mais de eux. Ah oui, de eux, d'accord, oui, au pluriel, ils se moquent au pluriel, d'accord. Non mais bien sûr. Pourquoi non mais je peux rien acheter, c'est de la merde. C'est, mais parce pourquoi qu'on n'a pas commencé le jeu. Alors, le souci c'est que moi j'ai déjà une partie bien avancée et j'ai 50 heures sur le jeu. J'ai toutes les armes, enfin j'ai beaucoup d'armes, beaucoup qui sont aussi améliorées à fond. J'ai pas foutu les munitions illimitées, mais écoute, c'est Resident Evil 5, au pire on s'en bat les couilles. Regarde, tu as rangé mon inventaire. Oui, c'est en plus c'est éclaté parce que tu pourras pas avoir un accès rapide. Hein, tu joues à la souris du coup toi ou quoi? Ah non, je joue à la manette. Tu joues à la manette, ok. Bah, il y a un accès rapide. Bah avec ton D-pad, haut, bas, gauche, droite en fait. Donc faut le foutre, tu vois, comme moi par exemple, j'ai haut le flingue, gauche le truc, non. Tu vois. C'est-à-dire que si je fais ça, ça sert à rien. Je vois rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai mis en haut à gauche et en bas à droite, du coup ça fait. Voilà, là t'auras accès à que dalle par exemple, tu vois. Merde, attends, je l'ai retiré, ça me casse les couilles. Je crois que c'était un des problèmes du jeu, parce que le jeu, moi, je le trouve assez legit, il est pas dégueu, mais l'inventaire et tout ce système-là, je les trouve assez bidons, en fait. Mais bon, écoute. Bon. Allez, c'est-y pas. Suis bien le scénario, attention, hein. Crapcom, présente. Il y a des chips au fromage. Est-ce que tu penses qu'il y a des chips à la mayonnaise dans le pactage de la BSA? Il y a l'effet visuel sur les cinématiques ou c'est en temps réel? Non, c'est du pre-rendered, donc il n'y a pas le filtre. Et donc oui, j'ai installé le mode pour qu'on ait les couleurs entre guillemets originales du jeu. Non, justement, c'est pas les originales. Les couleurs entre guillemets originales avant le filtre vert qu'ils ont rajouté en fin de production. Et vous allez voir, si jamais ça nous saoule, on le virera au bout d'un moment, le filtre. Mais bon, j'avais quand même envie de vous le montrer. Parce que moi, je le trouve intéressant. Oh, regarde. Il a des dreads. Il a des dreads. On va pouvoir commencer à parler comme ça, man. Ara Babylon, man. Donc c'est le coronavirus. C'est juste des noirs qu'ont la gale, le virus. La gale, le virus. Le pays. De quoi? Quoi? C'est-à-dire que le virus, il s'est. Putain, le nombre de fois qu'on l'a vu, c'est à mes couilles là. Ah non! Ce désert. Il y avait d'autres noms après lui. Oui. À gauche, les textures se répètent un petit peu, tout à gauche. Oui, et c'est dommage parce que de loin ça va, mais de près ça va beaucoup moins quand même. C'est comme ma carrière. Pourquoi? Pourquoi, Pourquoi? Pourquoi te flagelles-tu ainsi? Attends, écoute. On s'en parle? Non, on s'en parle pas. Attends, moi je veux entendre, ça m'intéresse moi. En gros, c'est un petit peu la partie africaine de Metal Gear 5, mais avec avec des armes biologiques en fait. Tu sais que en deux streams on peut l'éclater le jeu. Hein. Quoi, attends, Just Cause. Il faut d'autres jeux dans. Je sais pas, peut-être qu'ils ont besoin de faire une promotion quelque part. Ils ont besoin de reconnaissance, quoi. Ouais, bah écoute. C'est pas leur plus bel achievement aussi, Resident Evil 5, faut les comprendre, les mecs. Oh la vache! Oh la vache! God damn. C'est moi qui joue. Qui tu joues chez Val Omar, ouais. La femme. My name's Chris Redfield. I wanna fuck you. Non mais attends, s'il y a des blagues, ça veut dire que j'ai le N-Pass. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si. L'excuse de j'ai des amis blagues, ça marche pas. Non, tu joues une blague, je peux traiter. Ah oui, tu joues une blague, oui. Je peux traiter mes frères de couleur de négrito. Enfin, et du coup, oh la vache. Et du coup, t'es très très bonne aussi. On notera. Tu veux ma banane? Tu veux ma banane? Oh là là. Oh là là, les flashbacks. Soyez triste. Ah, je suis dans la tristesse. Le chef compositeur. Il a des grosses oreilles, Chris. C'est marrant, il a un peu une tête d'abruti en fait quand tu le regardes. Non, mais si, regarde ses avant-bras. On disait tout à l'heure qu'il était. Je peux mettre mon nez dans tes oreilles. On disait tout à l'heure qu'il était un peu musclé, tu vois. Mais ses avant-bras, ils déconnent vraiment. Hein. Je sais pas, moi je regarde que le cul depuis tout à l'heure. Tu te souviens du moment où il fout des uppercuts à un Roger? Oui, c'est à la fin ça. Oui. Ça m'a choqué. J'arrive pas à être triste avec son énorme cul. J'ai pas compris. Moi, pas parler langue à toi. Ouf. Oh, comment il maîtrise.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que des top modèles dans Umbrella Corp ou BSA, il y a que des top modèles. Et je trouve ça incroyable. Enfin, Sheva, elle est tellement genre cosmiquement bonne que c'est pas logique, si tu veux. Ok, c'est parti. Donc vous allez voir du coup l'enlèvement du filtre qui voilà, ça ressemble plus aux Sims. Faut pas ça spécialement beau en fait. Je sais pas si c'est pas plus beau, c'est juste que c'est tellement différent du résultat qu'on a eu. Donc ils ont juste retiré un filtre. Vas-y, marche un peu pour moi. Attends, en appuyant sur R2, moi je peux voir mon cul. Oh. Sur R2 ? Non mais en fait ça te cible sur l'autre et ça change ta caméra. Oh là je vois Minichon là. Ouais. C'est fou dans mon dos. Ouais. Attends. C'est quoi cette animation ? Attends, je te la fais tourner. C'est quoi cette animation éclatée ? Je m'appelle. Attends, si, marche toi les pieds. Mec, c'est la danse des canards, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attends. Sur mon écran, je vois les nichons et sur le tien, je vois le cul. Oh putain, allez, on se casse. C'est bon, c'est trop là. Regarde, est-ce que c'est pas beau, Kijuju ? Non, comment ça s'appelle déjà le bled ? Je me souviens plus. Non, les Kijuju, c'est l'espèce de. Ça va, sa dame ? Oh, les yeux qu'il a ! Viens voir ! Mais en plus, ça clique. Attends, c'est que. Pourquoi il cligne jamais des yeux ? Parce que c'est Blade ! Oh putain, il est éclaté lui ! Oh comment mec ! Comment tu peux avoir une vue à la première personne ? J'ai pas de vue à la première personne ? Non, je veux dire, tu recadres la caméra, c'est un peu bizarre. Putain, les yeux ! Lui, il est fire, mec. On dirait Yadar ! I'm fireman ! On dirait Yadar sans le plaid et avec la mauvaise couleur de peau, mais on dirait ouais, Yadar. C'est ça, enfin la mauvaise. Là, les corbacs. Ils sont énormes, c'est des aigles, hein. Ça, c'est clairement c'est des ptéranodons. Ce n'est pas un dinosaure ! Ce ne sont pas des dinosaures, d'ailleurs. Il me rappelle un vendeur de kebab qui était sous coke H24. Quoi ? Il y a des gens qui se tabassent là-bas. Tu veux voir du matraquage ? Bah évidemment. Ils sont en train de faire du pili-pili. Ogande. Ouais, ça va, calmez-vous, on vous a rendu l'Algérie. Hein. C'est marrant, il y a un peu un chinois là, non ? Mais t'as vu le sac, il est tout petit. Il est pas bizarre. Ah, mais attends, hein, mais comment ils l'ont mis dedans ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plié, enfin je me rends pas compte. Est-ce que t'as vu qu'ils font tous, ils font tous minimum 2 mètres ? Parce que je crois que Chris Redfield, il fait genre 1m95 et tout le monde me dépasse d'une tête, même Blade là. Comment il me regarde ? Regarde. T'as pas l'air si impressionnant face à eux en fait. Non mais c'est ça, ouais, y a clairement un problème en fait. Et regarde, regarde. Oh la vache. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, il a pas de chaussures ce pauvre. Mais si, il a des chaussures en pneus, regarde. Dans lequel ? Mais non. Ah oui, non, lui il en a pas. Saddam Hussein. Oui, Saddam Hussein, il a pas de chaussures, Saddam Hussein. C'est marqué quoi sur son t-shirt ? Attends. Je vois pas. Vast. Attends, putain, je vois pas. Arrête de bouger. Arrête. Vast Natural Africa. Vast Natural Africa, je crois. Et B. Et franchement, par contre, il ne cligne jamais des yeux et moi ça fait pas lui, lui, il est concentré de ouf par contre. Hein. Lui, tu sens qu'il vit il a une existence vraiment, vraiment intense. Mec, il a deux doigts de te vendre des roses quoi. Ah, Chris, il fait 1m86. Ouais, bah c'est ça, bah, j'ai l'impression de. 1m86. Quoi ? Un beau bébé. Bah, je fais 1m86 moi. Donc en fait, ils font tous de la taille de Poléon. les gens ici, ils font tous 1m92 mini. C'est un pays entièrement constitué de Poléon. Putain, jamais de la vie quoi. Ah. Ah, c'est moi, je peux prendre un petit chilimatoche. Alors, je crois que j'ai changé les skins. Je sais pas si ça va prendre ou pas. Si toi, tu peux avoir un truc à dire ou pas. Il y a un mode pour voir les gens blancs. Oh la vache, mais non, mais elle est tellement à 500% bonne, je comprends pas quoi. Ça va lancer des fricadelles comme Jaja. Pourquoi il y a plus personne ? Eh, où le cadavre qui était par terre ? Ils sont tous TP. Bah, ils ont. Attends, ça coûte cher un sac à patates, ça peut faire un très beau t-shirt ici, hein. Donc, Un pays d'Adwin, ça donnerait quoi ? Ça donnerait plein de petits mecs qui t'assurent. Ta 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 ta. Il y aurait l'hymne national en fait sur des haut-parleurs. Oh, poissonnière. C'est par là. Non, faut aller là. C'est par là. Énorme espèce d'énorme débile, faut aller là. Ah non, c'est pas là. Bah oui. C'est par là. Mais je connais pas le jeu. Ouais, mais moi je le connais alors, crois-moi. Voilà. Je peux passer devant. Ah, bah attends, si tu veux. Mais ouvre-la poliment cette porte. Jamais. J'ouvrirai jamais une seule. Oh, bah. Ah, deux ? J'ouvrirai jamais une seule porte d'Afrique avec mes mains, mec. Jamais de ma vie. Tu veux lui parler ou je lui parle ? Tu peux lui parler ? Eh bah écoute, impeccable. Je m'attendais à un skin de Mario pour le revendeur. Pourquoi ? On peut faire ça ?
Pourquoi? Elle est bonne sur trois générations, Sheva. Ouais, c'est un peu flippant de dire ça en fait. En plus, il est pas vraiment arabe lui, c'est pas un mec de la CIA. Non, lui, il vient du 93. Mais pourquoi? Pourquoi 80 sautrés. C'est quoi qu'on a un flingue pour tirer sur des gens? C'est juste là, calme-toi. C'est juste là. On a le droit de faire des blagues sur les personnes qu'on tue. C'est parce que même sans les filtres ici, c'est bien trop jovial en fait, comme atmosphère, avec la viande bien rouge, les bouteilles bien vertes. Bah ça, le fil de Resident Evil 5, il était pesant. Enfin, ah bah oui, c'est ça, ouais. Voilà, des guns. Vas-y, je prends. Vous les ramassez ou pas? 80 autres. Oui, vas-y, tu peux. Comment? Tu mets devant et tu appuies sur... Mais comme j'ai déjà un flingue en fait, ça sert à quelque chose de ramasser ça? Ah bah ouais. Certainement que non du coup. Comment on fait déjà? Ok. Ah, c'est le viseur de merde, je déteste ça. Pourquoi j'ai pas mon gun? Donc y'a pas le tirailier. Ah voilà, ok, comme ça. Non, j'ai pas mis le tirailier, tu m'excuseras. Pourquoi t'as pas mis le tirailier? Parce que... Oh putain. Deux cinématiques, un plomb cul, un plomb chombe. Regarde. Quoi, t'aimes pas mon costume? Ça m'a surpris. Mec, je suis passé en mode Mad Max, moi t'es fou quoi. T'aurais dû me dire que j'en aurais mis un. Shiny and Chrome, mais t'en as un toi? Mais non, mais j'en aurais mis un, j'aurais été constamment à poil. Mais c'est pas un mode hein, c'est dans le jeu hein. Ah, c'est dans le jeu. Oui, ah. Tu peux débloquer des costumes dans le jeu, ouais. Witness. Ça m'a fait peur. Witness me, Black Bag. Il est beau, hein. Il est beau comme un camion. Je crois qu'il est à moitié à poil en plus. Attends, je sais pas si on peut bien le voir. Ouais, c'est ça. T'as vu ses abdos? T'as vu cette ceinture abdominale? Oh là là. Contre, là on voit que ses biceps. Regarde ses biceps, mec. Regarde la taille de ses biceps. Je veux dire, ça va encore. C'est du niveau Mister Univers, quoi. Bah, il est bodybuildé, quoi. Ah, bah oui, ouais. C'est le cas de le dire, ouais. Allez, oula, c'est parti. C'est bon, on a un flingue et maintenant on fait quoi? On peut tirer sur ces corbeaux là-bas, par exemple. Comment on fait le corps à corps? LT. Gâchette gauche. Et gâchette droite, c'est pour tirer. Et gâchette gauche, c'est pour corps à corps. Voilà. Ce dos qui l'encule. Non, mais bien sûr, mec. Ah, mais si, en fait, il y a une touche pour courir avec A. Mais je t'ai dit tout à l'heure en plus! Mais je t'écoute pas! Ah oui, je vois ça! Ok. Tac. Ah, c'est marrant, même les lasers ils sont changés. Ça sera, okay. Ça sera qui le fils préféré? Le fils préféré de Kijuju? Reich. Au Canada. C'est marrant, il y a un genre de cel shading. Je sais pas. Oh! Ah merci! Ça va, Adoui! Ça va, respire. Trois inspirations, une expiration. Le son, il a fou. Ça va, fait super. C'est Time Space Panderer qui file 10 balles, merci beaucoup mec. Salut, désolé d'être devenu such a stranger. J'ai plus trop le temps de regarder vos streams malheureusement, du coup je vous fais un petit don pour vous dire que je pense encore à vous et que vous sentez très bon. Oh, c'est adorable. T'inquiète pas, on t'oublie pas nous. Ça m'a fait une surprise quand t'es venu tout à l'heure, mais on n'oublie pas. Est-ce que t'as vu la taille de ma lame avec ce skin là? Mais c'est pas possible. Si on fait un combat? T'es sûr? On peut pas se dépasser. Non. Faut voir avec des coups de pied, moi aussi. Et attends, y'a Gaëtan qui nous a dit deux fois bonjour. Bonjour Gaëtan, 88 480. Comment vas-tu, Gaëtan? Tu vas bien, Gaëtan? Est-ce que t'as passé un bon week-end, Gaëtan? Ah oui, y'a plein de trucs à péter. Oh, bah oui, y'a plein de trucs à péter, c'est l'Afrique, mec. Hein. On est là pour ça. Hein. On peut même, si on veut, détourner des colis de Kouchner. Et des avions en plus. Alors, quitte à faire. T'as pas un petit bateau Petit bateau. Ah, voilà. Ouf. Eh, t'as vu, ça dans les coups, je peux dire que ça travaille. Hein. Ah, bah oui. Enfin, ça t'endort beaucoup aussi, je pense. Il doit y avoir quelque chose. Hein. Voilà. Comment on fait déjà ça? Come on. Feel it. Voilà. Il faut être deux. Oh, elle est belle. Regarde-la, elle a aucun défaut, mec. Attends, retourne-toi. Attends, comment? Tu viens de le faire, retourne-toi et retourne-toi vers moi d'un coup. T'as réussi tout de suite, là. Il y a de la physique sur ces nichons. Refais-le, il y a de la physique sur ces nichons. Il y a un petit peu de physique sur les nichons. Il y a un petit peu de physique sur les nichons, mec. Est-ce que tu peux... Yes. Ah, j'aime bien ce jeu, mec.
Non mais je peux pas, j'ai pas de skin, moi j'ai pas de sauvegarde. Fin... Mais je pense que oh on voit mes tétons. Je pense qu'il y a des il y a du modding assez facile à faire sur le jeu, donc ouais, j'ai pas. Y a, normalement on peut. Ouais. Peut-être pour le prochain stream si on essaiera. Si on peut être à poil, je le ferai. Topinambour. Oh la vache, les blagues de 10 ans. Je vais te faire pareil, Shiva, avec ma bite. Tu vas voir, mes couilles, ça rentre aussi bien. Ça, c'est Shiva, ça aussi. Oh la vache, lui, il est pas bien, lui. Hein. Je suis sûr qu'elle a des couilles, Shiva. Arrête. Tu dis pas ça. C'est Maître Gims. Bien le bonjour, je savais même pas que vous streamiez l'après-midi. Ah bah, ça fait un an, donc... Maître Gims, je l'ai pas mis dans ma liste de noirs connus. Mais tu iras, si jamais je m'en vais. Ça m'en est. Ça va? Oh, il va pas bien. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est dégueu. Et c'est eux qui ont inventé le sida? Non, ça a été inventé par la Sega pour s'en débarrasser d'eux. Ça a pas trop bien marché. Ah bah non, au contraire. Oh là là. Bon, laissez-moi tuer des gens. T'inquiète, ça va venir, ça va venir. Je vais tuer mes fers de couleur. Oh, putain. Oh la vache, Nico. Avec la musique. Nico qui offre... Attends. Il vient, d'offrir, il vient d'offrir 10 abonnements et Nico vient donc, a donc offert en tout 50 abonnements à toute cette chaîne. Merci beaucoup Nico. Combien de milliards de thunes? Je sais, je sais pas. Prends de la musique. On a pas assez de 1. Yeah, 1. Regarde, on voit bien des trucs là. Katakata, Toko Toko. Ce qu'on lui a fait à ça, même dans le 93, c'est, ça passe pas à la télé quoi. Oh bah non, ça passe pas à la télé, mais bon, écoute. Regarde comment il est fait, regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Non, je viens d'avoir une alerte en retard. Et, non, alors, on va toutes les avoir en fait. On va avoir 10 alertes les unes après les autres. Oui. Si t'as un mec comme ça qui court vers toi pour que ce soit admissible, faut qu'on crie. Ah, c'est quoi déjà dans South Park? Oh mon dieu, il nous attaque! Il nous fonce dessus! Oh mon dieu, il nous attaque! Regarde comment il est vénère! Regarde comment il est vénère encore! On dirait Jimon Onsu à la fin de Blood Diamond. En même temps, si ton pays avait pas une vraie démocratie. Ok, alors on y va. Ok, on y va. Non, mais je veux dire que si ton pays. Non, mais reviens, Hussein. Non, j'écoute pas. Les gens là, on les a déjà mis. Là, je m'en fous, c'est à moi les munitions. Attention. Attends. Mais c'est pas grave, t'en as pas besoin. J'ai vraiment pas de balles. T'es assez balèze comme ça, c'est rien. Attends, est-ce que je peux peut-être te filer des balles, moi? Comment on fait déjà? Pourquoi elle a fait un salto en descendant? Mais. J'ai des milliards d'alertes de subs. Non, c'est pas grave, c'est normal. Il y a Crocodile aussi qui vient de resub. Merci beaucoup, mec. Et merci Nico. Mais attends, il vient d'en offrir combien? Je comprends pas là. Je sais pas. Écoute, c'est pas grave. Merci beaucoup, man. Attends, c'est par où? C'est par. Merde, c'est par là. Pardon. Je voulais pas aller directement à la prochaine cinématique. C'est ma faute. Du coup, c'est un peu moins dramatique quand il y a des petites chansons en même temps, mais écoute. Faut aller où? Faut aller partout. Faut se retourner et faut se barrer par là. Ah bah, déjà loin. Je suis une femme. Oh, il y a des poules! Attends, est-ce que je peux éclater les poules? J'arrive pas à éclater. J'arrive pas à éclater une poule. Espèce de sombre déviant. Je vais pas dire Russian, mais y'a pas de faire remarquer ici. Ah! Attends! Casse-toi là! Ah, je me casse maintenant. Comment on fait demi-tour? Vite fait, c'est joystick arrière et t'appuies sur A. Je te crois pas. Merci beaucoup, Croconut, pour le resub. Attends, y'a la poule là. Oh putain. Salope. Allô. Pourquoi y'a une poule? Elle est rentrée avec moi en fait. Le premier qui bute la poule a gagné. Elle est où? Oh, bien joué. Est-ce qu'elle loot ton truc? Et c'était madame. Ah le con. Elle a rien looté en plus! Rien à ramasser! Mais attends, mais je suis à poil! Enfin, je veux dire, avec mon arme! Cette pute de poule! Elle vient la précision! Vous avez bien vu la précision, parce que. C'est faire de moi! Allez, défonce cette porte! Moi, en tant que colosse d'1m90 pour 130 kg de muscles, j'arrive pas à casser une porte! C'est un peu ridicule en fait, c'est too much! Mais alors, regarde ça! Attends! Fais voir, je récupère les munitions que tu pouvais pas prendre! Oh la vache! Oh là, regarde la gelée de framboise qu'il y a en bas et qui coule, mais regarde! Arrête de prendre mes munitions, s'il te plaît! Regarde, y a de la. Mais viens voir la gelée de framboise! Mais oui, c'est ce que je dis, c'est ridicule! T'as pas une biscotte? Attends, mais Russian et Adwim sur R5 avaient pas un let's play déjà à l'époque de Dailymotion, mais si. Non, on a jamais fait ça! Et, et t'as bien fait de pas suivre le début du stream parce que. Ouais, ouais. On a jamais fait ça! Putain, je suis en train de mourir! Oh bah, Adwim! C'est bon?
Attends, j'aimerais bien recharger. Mais attends, le mec il coupe sa viande avec des tomahawks en fait. Eh, c'est quand même bien foutu hein. Ça dit quoi? Les organes internes ont tendance à prendre l'air dans les parages. Bah oui, surtout après qu'on soit venu quoi, c'est clair. La mobilité, elle est lourde. Ah mais attends, t'es parti? Non, t'es où? Je suis juste derrière toi, je suis juste là, t'inquiète pas. Adwim, t'inquiète pas. Oh, c'est l'air joli. Oula. Mais c'est marrant, c'est cel-shadé à moitié avec ce truc là. Oula. Tire pas, on a pas beaucoup de balles, Rossiane. Non, moi ça va hein. J'ai ce flingue là et j'ai un autre flingue avec 10 balles dedans, donc ça va, je suis tranquille moi. Moi j'ai un spray antiseptique. Écoute, c'est déjà pas mal. Vas-y, bute les rats. C'est les rats qui sont là pour ça. Oh, tu as buté le rat. Évidemment que j'ai pas envie de la tuer en plus. Mais là on va pas tuer tous les rats quand même. Oh. Et Erasmo. Attends, comme ça. Oh. Oh, comment tu l'as enculé. Même les skins de Chris et Sheva ont l'air à moitié cel-shadé. Mais je crois que ça vient d'un shader en fait qui vient avec le mod. Et je crois que tu peux l'enlever ça. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve que ça change un petit peu. En fait, j'ai fait tellement de fois le jeu de façon vanilla que de changer un petit peu de skin comme ça, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Alors après, non, peut-être qu'on. Pas ramasser toutes les munitions. Peut-être qu'on le fera, j'ai vu. Peut-être qu'on le fera pas pendant tout le playthrough qu'on fait ensemble avec Adwim, mais au moins là pour la première partie, je trouve que c'est intéressant. Le mode il est assez facile à installer en plus, hein. C'est juste des trucs, des fichiers à foutre dans la racine du jeu. Un fichier à foutre quelque part et puis basta, il n'y a aucune installation. Si vous voulez on pourra filer le lien d'ailleurs sur le channel Vidia, je crois qu'il a déjà été filé. Si tu peux faire un compte sur Nexus, bah, c'est tout. Enfin, si t'en non, il n'y a même pas besoin, t'es pas obligé. Il n'y a pas de choix. Ah non, mais je l'ai fait, j'ai fait installation manuelle. Non, mais l'émission, espèce d'ahuri. Mais on s'en fiche, on a déjà ça, il est filé facile ce jeu là. C'est juste qu'à l'époque on était nuls et que t'avais un céléron. Mais sinon ça va hein. Oh là là. Heureusement qu'il y a la Méditerranée en fait. Oh la vache. Et non, bah, je veux dire que c'est beau, il y a de l'eau. C'est très joli. Il y a des plages de sable fin. Il y a des spécialités grecques, elles sont délicieuses. Ça existe un mode gilet jaune, j'espère, mec. Bah, ouvre tes chakras, dis-leur qu'ils en portent et puis basta. Oh là là. Oh là là. Ça fait très Silent Hill en fait. Bah, ça fait totalement Pyramid Head. Ouais, un peu, hein. Un peu beaucoup totalement en fait. Totalement. Tu iras. Il va nous voir avec sa vision d'aigle, là. Voilà, voilà. C'est parce qu'il a des lunettes aussi. Oh là là. Il a dit quoi là? Il a dit quoi dans sa langue de pygmée là? No badaga no bodo, nega bodo no. Casa et monsieur Bobo. Faut pas penser bibi, c'est un couillon. Je stresse. Alors attends, bouge pas, faut foutre ça. Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Merde, je suis dehors. Adoui malade. Donc voilà, on va juste foutre les armoires devant les entrées, enfin devant les fenêtres. On va foutre les armoires devant les fenêtres, Adwim. Oui, j'ai pas le temps. C'est bon, t'es là. Voilà, impeccable. Ils vont pas passer par la porte, là. On peut éclater ça. Je prends une munition, tu prends l'autre, vas-y, viens. Viens, prends l'autre munition. Attends, il y en a dehors aussi, il y en a dehors. Je ramasse vas-y, une munition. Vas-y. Tranquille, Adwim, tranquille, tout va bien, y a aucun problème. Ouais, regarde, à part qu'on est entouré de... De genre... oui, de, vas-y. Bah, d'un Homo sapiens. Balance le mot qui commence par B. D'Homo sapiens de couleur. De Homo sapiens. Attends, je prends le... Oh putain, il a un truc dans la tête. Oui, ça s'appelle des yeux, fais gaffe. Je l'ai pété sa bouteille. Ouais, ma boutange de villageoise. Et dire que j'aurais pu prendre un putain de gueule là. Ah oui, en effet. Oh, bam dans ta gueule. T'en veux toi aussi? Je suis pas en panique, mais je veux dire que j'ai pas l'habitude d'être avec ces gens-là, quoi. Oh putain. Non mais je veux dire, avec des gens qui sont armés avec des haches, Rossian. T'essayes de surpasser le playthrough qu'on avait fait avant, c'est ça? Bah, je pense encore 10 minutes, c'est bon. Ah bah oui, là, avec notre expérience... Avec et notre talent. Notre expérience certaine dans notre talent. Dans les choses. Je peux le niquer, le mec là, qui fait chier là-bas? Merde. Ah, Casse-toi, Saddam. Toi et ton agent orange. Je vais t'aider. C'est bon, t'inquiète. Bam. Impeccable. C'est quand qu'on récupère des vraies armes, par contre? Mais ça vient, t'inquiète pas. Est-ce que vous l'entendez bien, d'ailleurs, Adwim, là? Est-ce que tout va bien, au niveau du son? Adwim, on peut sortir, si tu veux. Tiens.
Ta mère ouais. On peut. Ah oui non c'est pas. Attends, viens, sors par là. Ouh la vache, je me suis pris une tartine. Ah non, pas par là en fait. Par où on va? Je me souviens même plus c'est par où on va. Je vais passer la merde, c'est la merde. Et bah sors par là. Sors par où tu veux. Oh la vache. Ok, c'est pas. Ok. Cours. Va à droite après la maison, Adoum, il y a une arme. Prends le scorpion. Vas-y, à droite là. Ici. Viens. Pas nos papiers. Prends le flingue là. Et où? Celui-là. Voilà, prends le scorpion. Et tire à mieux. Comment je le prends? Il me propose rien. T'appuies sur X. Tu peux pas le prendre? Ok, j'ai une grenade. Bordel de. Aïe! Hop, ça c'est bon. Une autre grenade, bonjour monsieur. Non, j'ai pas le temps. Je m'en fous. Comment de Greenpeace. Comment je change d'arme du coup? Dans ton inventaire, ou alors t'appuies sur les touches fléchées directionnelles. Aïe. Oh là là! Oh la vache! J'en ai pris plein la gueule! Adwin! Oh le loser, il est mort! Ah, j'en ai pris plein la gueule, tu m'as même pas aidé, enculé! Mais moi j'étais en panique! Ah, t'es même pas venu m'aider! Ah, le faux frère! Ah! Oh. Alors, je me souvenais pas de ça! Ouais, moi non plus! C'est assez horrible, mais écoute. Ah la vache, alors, t'es dégueu! Voulez-vous continuer? Non, on va s'arrêter là. Bon. Je peux acheter des trucs maintenant? C'est quoi, ils m'ont saoulé? Oh, je peux acheter le scorpion! Vous avez pas assez d'argent? Voilà. Comme ça, j'ai pas assez d'argent. Voilà. Voilà. On y allait comme ça, parce qu'ils m'ont tous pété les couilles. T'as acheté plein de trucs? Ouais, ça m'a saoulé là. Ça coûte combien un scorpion? Je sais pas, mais tu peux l'acheter déjà? Tu peux l'acheter? Ah oui, attends. C'est quoi, je vais plutôt faire ça. Putain, mais j'aurais jamais assez. Tu peux me donner un scorpion? C'est les couilles. Je peux rien te filer. Attends, est-ce que je peux déplacer? Non, je peux rien te filer. Peux-tu me filer de l'argent? Je peux rien te filer, Adwim. Non mais, j'ai bien compris, mais de l'argent. Non. Non, toujours pas. Je sais même pas si je peux te filer un spray. Si je peux te filer un spray, si tu veux. Pff, écoute. Mais je m'en fous de ton spray. Ouais, bah écoute, j'ai que ça, donc Bon, je l'ai vendu. Si t'as beaucoup de spray, je peux tous les vendre et m'acheter un scorpion. Eh bah écoute. Oh bah vas-y. Voilà, j'en garde un quand même. Comme on a trop niqué le game. Y'a Hoffman qui dit, de mémoire dans ce niveau il y a un scorpion. Tiens donc. Quoi? Oh la vache, je savais pas. Espèce de sombre beat. Incroyable ce mec. Coucou, c'est Whisky, c'est un mec. Par contre c'était Just parce qu'il me reste 50$, c'est Whisky. T'as plus de soin du tout. Hein? T'as plus de soin du tout. Non, pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est quoi le problème? Ça va bien se passer. Regarde. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouais, toi, t'as du soin, t'as juste un spray et un magnum et un fusil à pompe. et ce flingue-là, je crois que je l'ai amélioré au maximum aussi. Bon. Mais bon, ça sert à rien vu que je claque. On y retourne. Hop là, allez, c'est parti. Et hésite pas de claquer les tas de fruits, il y a des munitions dedans. Oui, attends, faut que je comprenne déjà comment on change d'arme rapidement. Dans ce truc-là aussi, il y a des munitions. Ça. Je vais recharger. T'as mis ça devant la porte, c'est impec. J'ai 25 munitions de fusil de chasse, c'est impec. Et comment je peux me soigner en fait? Alors il faut. J'ai pas de soin. Tu fais ça. Oui, alors déjà t'as pas de soin. Donc ça va pas aider. Ok, c'est comme ça qu'on se soigne, très bien. J'ai. Ok. Mais tu iras ouh. Il y en a de ma. Car dans la nuque, celle-là, elle est gratos. Vas-y, attends, faut qu'on en profite qu'il soit dans les coins là pour mettre des balles dans la tête. Eh bah écoute, je t'en prie, moi j'ai déjà commencé. En fait, à un moment, ouais, le gros il arrive et il fout un pain dans le truc. Attends, parce que je crois qu'ils vont commencer à arriver par derrière, je crois, non? Non, peut-être pas maintenant. Comment on recharge? Feel it. Ah, j'ai éclaté le mec avec son mégaphone. Ah, le mec en noir, le mec en noir, ouais, pour le coup, ouais. Je sais que c'est sa couleur de peau, donc c'est pas vraiment... Monochrome boy, voilà. Le mec, il vit une blackface, là. Le mec, ah, franchement, ça se fait pas. Je trouve qu'en 2020, une blackface, c'est tellement... Ouais, je me sens un petit peu abusé par... Alors qu'une Chinese face... Ça, c'est marrant, ça. Puis les blagues sur le coronavirus, franchement, y'a pas de problème. Ça va de ton côté, parce que moi, j'enchaîne les bouches. Hein. Ah, moi, y'a aucun problème, moi. Alors, je sais que ces gens-là sont pas très malins, parce qu'ils ont des haches, mais...
Écoute, ils ont ce qu'ils peuvent déjà. Ils ont trouvé ce qu'ils pouvaient. Ils ont des chaussures en pneus. Il y a plein de munitions de mitrailleuse dehors si tu veux. Hein. Dehors ? Ouais, je suis dehors moi. Faut aller dehors ? T'es dehors toi ? Bah ouais. Ah oui, je vois ton laser. Comment il fait pour être là ton laser ? Parce que je suis dehors ! Mais du monde dedans ! Ah oui, ça commence. Bah je crois que tu me protégeais, Russian. Ah non, alors non, ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Hein. Voilà. Ah oh, c'est marrant, il y a un blond. Oula, il a pété le mur. Il a pété le mur. Attends, je vais lui foutre des cartouches. Il a pas pété le mur. Tiens, enculé, va. Est-ce que je peux le taper ? Uppercut ! Tiens, mais ta mère. Putain, on veut encore merde. Tiens, salope. J'ai buté le mec avec la hache. C'est bon, c'est bon, j'ai plus de munitions, plus de munitions. Oh, j'ai trouvé de l'or. Oui, parce que j'ai buté le mec avec la hache. Ah, c'est cool. Y a plein de munitions là-bas, Adam, regarde, là où je tire. Ouais, mais faut y aller. Putain, t'as un fusil à pompe, toi. Bah oui, parce que je triche. C'est ce qu'on appelle communément. T'as vu, je t'ai aidé, Russian. Oui, exact. Bravo, Adwim. Continue, Adwim, c'est bien. Bravo, Adwim. We're going to shoot the black guys. Répète après moi. Voilà. Shoot the black guys. Répète après moi. De Dora. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Normalement, il faut survivre, mais écoute, on est tranquille, donc quitte à faire, on va prendre notre temps. Ça va, tu survis? Casse-toi. Laisse ma meuf. C'est ma meuf. Je la dis, glingue. Tiens, je vous crame. Moi, je vais me cacher dans une maison. Tous égaux dans putain, la mort. Arrête d'ouvrir la porte tranquillement, putain. Y'a pas vraiment nulle part où se cacher en plus sur ce stage là, c'est plutôt bien fait. Moi je me suis caché dans une baraque. Moi je suis en train de les éclater à coups de fusil de chasse, mon gars. Et pourquoi t'as un costume de Ken? Parce que je Ken. You are Jack! C'est marrant parce que depuis que t'as un fusil à pompe, je trouve plein de munitions de fusil à pompe. Oui, c'est comme ça que ça marche la distribution des munitions dans le jeu. Tu ramasses des munitions que des flingues que t'as. Donc, et c'était pareil dans Resident Evil 4. Et du coup, oui, moi du coup, j'ai plein de munitions de mitrailleuse aussi. Enfin, de scorpion. Hein. Voilà. Le pompe de 20 cartouches, oui, parce que je l'ai amélioré aussi. Ah non, mais on joue en God Mode. Ouais, plus ou moins. Tiens, c'est par terre, remercie. On remercie beaucoup. On remercie de rien. Attends, il y a des munitions là où il y avait l'arme. Le scorpion là. Normalement, il y a des munitions, ouais, non? Ah, le truc que j'aurais pu éviter d'acheter si j'avais. Oui, voilà. Exact. Resident Evil, c'est pas censé être un jeu d'horreur, demande The Mouette. Oh mec, comment tu les as trop mouchés. Je suis en train de paniquer. Écoute, Resident Evil, c'est plus un jeu d'horreur depuis Resident Evil 2. Donc non, un jeu d'horreur, si, ça reste toujours un jeu d'horreur, mais c'est plus un survival, voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui change. Des munitions. Oh, il s'est passé. Oh, il s'est désintégré, je crois. C'est des choses qui arrivent. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Surtout en Afrique. Y'a un timer ou on s'encule jusqu'à... Je crois, y'a un timer, ouais, mais on est bien maintenant, regarde. Lui, je vais éclater à coup de magnum. Mais t'es là, toi. Ouais, je teste mes armes. Ah bah oui, t'es là. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, mec. Oh. Alors si The Boss c'est ma mère, alors elle, Shiva, c'est clairement ma meuf. Je la dis. Attends, je crois qu'en fait il faut qu'on passe là-bas et qu'on aille devant le portail, non? Non mais souvenir, fallait juste aller à la porte. Et ensuite il y a le poteau qui va arriver avec son hélico et qui va faire un truc. Ah oui, je crois qu'il fallait éliminer au moins le portail une fois, je crois, non, un truc comme ça. Oh, je sais plus, on verra bien. Attends, il y a des gros bas. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y en a beaucoup d'un coup aussi. Ils se sont cachés, mais il y en a beaucoup. Non, il n'y a pas de silencieux sur le magnum, c'est un frein de bouche, The Mouette. Ça permet de faire en sorte que les gaz produits par la munition s'enfuient vers le haut plutôt que vers l'avant. Et donc ça diminue le recul vertical. Et c'est parfait pour tuer... des gens. Des êtres humains. Ils ont totalement le droit de battre. Voilà. Et le droit de... Je les écrase avec mon talon, mon gars, c'est tout à fait légal ici. Avec ton talon? Mon talon, les deux. Voilà. Je vais vous admettre quand même que de façon... Si t'as vu, j'ai fait un coup de couteau dans la globe d'un mec. Je pensais pas que c'était légal. Je vous avoue quand même que Resident Evil 5, moi je l'aime beaucoup. J'y ai beaucoup qu'est-ce joué. Qu'est-ce qu'on a vu déjà? C'était Resident Evil 5, c'est ton Fear 3. Oui, voilà, c'est ça. Resident Evil 5, c'est un peu l'équivalent de Fear 3 pour Adwim, c'est mon Fear 3.
Et j'ai pas mal d'heures dessus, je l'aime beaucoup, j'y ai beaucoup joué tout seul, surtout en fait, à essayer de choper les rangs S, les médailles cachées, trucs comme ça. C'est improbable ton costume. Mon costume. C'est pas un costume, c'est ma façon de vivre, maman. C'est tout apparent. C'est pas une phrase. Ah, on dirait un personnage, merde, de la série qu'on avait vue lors de la nuit au cinéma, là. Crazy Young. Oui, voilà. Bien sûr. Mais carrément. Et là, tu vas sortir le pouvoir de la violence. Je vais avoir une grosse tronçonneuse à la place de la bite. J'en appelle à la violence. Les gens de couleur avaient déjà le droit de vote quand le jeu est sorti. Chapitre 1 complété. Il est pas sorti en 54, le jeu. Je vise mieux que toi. Exact, tu vises mieux que moi. Par contre, j'ai éclaté à peu près deux fois plus de gens que toi. Donc, t'as vu ton matos, espèce de fils de chien. T'as vu le tien? Pour ça que tu vises mieux. J'ai un fusil de chasse, moi. Moi, j'ai un avion de chasse. Exact. Bravo, belle réplique. Oh, le bordel dans mon inventaire. Tu peux acheter des munitions? Des simples munitions? Tu peux acheter des munitions, oui. Bah, c'est où, les munitions? Dans le truc munitions. Attends, tu sais quoi, je peux même te filer ça. Tiens, si tu veux. Je t'ai filé des munitions de truc. C'est quoi le truc munitions? C'est quand t'es sur une arme, acheter, améliorer, non? C'est dans acheter. Améliorer ton arme, j'ai oublié. C'est dans acheter quand tu vas tout en bas, je crois. Y'a pas de munitions? Ah non? Non, y'a pas de munitions. Mais regarde, il me semblait, c'est marrant. Veux, mais... Non, je veux pas acheter le 92 FS. Non, mais je sais plus alors. Il me semblait qu'on pouvait, mais apparemment, non. Je vais retirer ça et je vais prendre l'Hydra, tiens, voilà. D'ailleurs, tu veux des cartouches de fusil à pompe? Je veux bien, tiens. Oh, c'est que tu peux donner des trucs, mais sans demander à la personne si elle est d'accord. Oui. Ouais. Mais vas-y, prends ma merde, j'en veux pas. Tiens. Non. Allez, c'est parti. Vas-y. Non, t'as d'autres trucs à me donner comme ça? Attends, je peux te filer de l'herbe? Moi, je vends tout. Attends, vas-y, regarde. Prends ça, vends ça. Ouais, mais ça vaut rien, ça s'en vend. Ça attends, celle-là peut-être. Elles vont peut-être valoir plus, celle-là. 500 balles. Eh ben voilà. Par contre, j'ai plus d'argent en fait. J'ai plus rien à te donner après, donc. Dans les trésors, regarde, dans les trésors, bague en or, on peut la vendre. 5000 balles. J'ai déjà vendu ma bague. Ah, d'accord. Pourquoi je demande? C'est pour le truc que j'ai fait de la vendre, la bague en or. Chez Vaz régal. Putain, tous les trésors que t'as, toi. Ah, bah oui. Ram, mon gun. Regarde ce gun, Adwim. Mais c'est totalement la série. Hein. Fais un screen, mec. Je veux le voir. Attends. Vas-y. Attends. C'est bon, je suis beau. Ah, j'ai le laser qui me traverse les tétons. Ah, c'est bon. Yes, impeccable. On y va. L'Hydra, il est bien, ouais, il est cool. Attends, avant de partir, Adwim, je crois qu'il y a encore des munitions qu'on peut choper ici. Si je me souviens bien. Moi j'ai pris. Je me suis baladé là-dedans, j'ai tout pris. Hein. Bah oui, mais du coup ils ont rechargé la map. La map a rechargé là. Donc par exemple ici. Non, tout est fini. Non, je crois que c'est bon en fait. Non, à mon avis c'est bon. Ok. C'est legit Mad Max. Ouais, bah je pense que c'était la volonté du truc. Je comprends pas, hein. Je comprends pourquoi. Je t'ai vu, Adwim. J'ai vu ton laser. Espèce de bâtard. Je t'ai vu, hein. Tu vas la manger celle-là. Hein. Quoi? Quoi? J'ai rien fait. Voilà, y a plein de trucs ici. Attends, j'essaie de manier mon menu, voilà. Munition de mitrailleuse. J'ai même pas récupéré ma vie. Je veux. T'es où? Attends, je peux faire comme ça. Non, comment on fait? Tac, donnez. Plip. Voilà. Tu es fort aimable. Je sais. Trop même. Je suis vraiment trop sympa quelque part. En marchant la gadoue comme dans Fier 3. Ouh la gadoue. Faut passer de l'autre côté, descendre. Comment on fait? Ouais, faut faire le tour. Je t'ai vu, je te regardais, Adwim. Espèce de bâtard. Tout ça sert à rien, je les ai eu aussi, mec. T'as 43 munitions, j'en ai que 25. Ouais, mais... Franchement, ça se fait pas. Comment, t'es une femme? Je suis une genre de pie, en fait, j'accumule. Non, c'est une pie enculée. Pie enculée. si t'adoptes, t'es mort. Y'a rien ici, là? Non, y'a rien, ok. T'as eu des pays, ça, mec? On est en train de revisiter une petite perle du passé. C'est par là surtout. Mais oui, c'est ici, Russia. Non, là, tu connais pas ton jeu. C'est pas non, ça, non, non, j'ai jamais joué. C'est un manque d'intégrité. C'est la première fois que j'y joue. Ça va, laisse-moi tranquille. Comment? Je sais pas. Choisirais lesquels entre ce Shiva et ce Chris? Chris. Pas pour les avoir, hein, pour les toucher. Ah, bah Chris. Bah Chris. Ah, j'adore.
Ok, on peut pas ouvrir des tiroirs ici, non y'a rien. Adou il m'est en train de rusher pour essayer de piquer un maximum de munitions. Mais non, attends, je te donne des munitions. Oh, c'est trop gentil, viens. Oh putain. Tu m'en as pas donné là. Ah, fallait pas faire jeter. T'as acheté les munitions? Adouim, reviens là, viens voir. T'as acheté les munitions? Adouim, reste là. Au pied, Adouim. Putain, oh les chomblards. Il y a Momo, il a pété un plomb. Allez, ah, c'est bon, non, je suis vénère, ça y est. Saute-moi. Tu m'as vexé, saute-moi. Le cul tendu. Oh putain, attends, bouge pas. Bouge. Je vais derrière, je vais prendre un screen. Ah, je vais aider à te sauter, t'inquiète. Attends, est-ce que je... Attends. Vas-y, dans le train, on a l'impression que tu m'as attrapé les cheveux. Vas-y, comme ça. Attends, on voit que t'habites et pas au bon endroit. Oh merde, attends. Est-ce qu'ils ont fait exprès de foutre ce... Ah non, c'est bon, je peux me mettre vraiment derrière, attends. Ça, non, c'est mieux là. Oh non, attends. Vas-y, balance-moi. Je veux... Non. Je veux enculer, je sais pas. Ah, je suis trop au-dessus peut-être, c'est ça? Je sais pas, que je suis trop au-dessus. Non, si, c'est bon. Attends, j'en ai pris plein, peut-être qu'il y en a qui passera. Ok, allez, dégage. Mais là, je me retrouve tout seul face à des ennemis. C'est ça, exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout cul tendu mérite son dû. La clé. Tout, Shiva, un gros cul. Tout, oh, Madame Boubou. Non, mais en fait, ça sert à rien, faut redescendre. Ça protège de que dalle, la serviette sur la tête, hein. C'est juste pour voir. Oh la vache, qu'elle a pris! Alors, tu préfères un casque ou un turban? Tu vas pas répondre vu que t'es mort! Merde, j'ai tiré sans faire exprès! Dans la bite! Comment tu marches? Il s'en bat les couilles! C'est quoi Paula Hopkins, new album Mother? Sail! En fait, il y a plein de détails qu'on voit là et qu'on voyait pas avant. J'aime bien aussi le mode pour ça. Meurs, voilà. Ouh, meurs, pourriture communiste. Putain, mais il s'est pris une balle dans la tête, il est même pas mort. C'est quoi ce jeu? Ouh, désarmement de Saddam Hussein. Comment on fait des coups de pied? Faut que quelqu'un soit... Ouais, faut qu'il soit un peu assommé. Et tu te rapproches de lui et tu fais X. Attends, je vais me soigner. Oh. Ah non, c'est ça. Je croyais que j'avais un kill de sang, mais c'est une grenade. T'es sûr? Oui. J'ai clairement entendu pchit. Oui, mais après j'ai changé. Je suis attends, pas attends, arrête, bouge pas. Ça, voilà. Plip. Nickel. Oh. Non, ça je vais le garder parce que tu me fais chier. Voilà. Fame. Oh là là, ce que tu lui as mis. Ouais, il a. Tiens. Il est mort? Ouais, il est mort. Pas, oh, c'est mort. Il ressemble au mec de Zebda. Tous les garçons de mon quartier, même d'ailleurs. Est-ce que tu penses que j'ai l'existence de ce truc? Ah, et pourtant. Vas-y, saute-moi. Allez, saute, Kevin. Il arrive quand même à faire un putain de jeté d'une nana qui doit faire, allez, 50 kilos, 55 kilos. 42. Non, elle est assez grande quand même. Ouais, bah 43. Ouais, là, le turban en Kevlar, c'est pas ouf en vrai. Oh, un turban Kevlar, un merde. un turban en kevlar, franchement. Y a des gens. Si John Wick il a réussi à avoir lui un costume avec des protections en kevlar dedans, à mon avis un turban c'est possible. Oh, je lui ai mis une rafale dans le dos et il est pas mort. Comment tu fais pour résister à ça? Je sais que c'est chinois, mais pourquoi des chinois? Ah oui, oh, oui, c'est chinois, vrai qu'en plus il y a des chinois des fois. Voilà. Elle ferait 52 kilos chez Va. Et voilà, j'avais dit 50 kilos. On sait tous que les Chinois, ça vient... De Chine, Chine. C'était, Chine virus. C'était une blague ou... Non, c'est un constat. D'accord, oui, d'accord, oui, c'est bien ce que je me disais. Putain, il m'a fermé la porte au nez, c'est impossible. Voilà. Impeccable. Y'a rien. Le fils de chien. Bonjour, monsieur. Nick Tom. Il y a 3 balles, ça tire les 3 balles d'un coup? Non, ça en tire une seule. Oh, je l'ai ramassé avant toi! Chier! attends. Tu veux que je l'ai. Attends, regarde, bouge pas, je vais le pulvériser. Atomise-le! J'adore ce truc! C'est bon, impeccable. Merci pour les balles.
Re, j'ai raté la déclaration d'indépendance du Congo, tout va bien? Bah pour l'instant ils essayent mais... Voilà. Oh là, tu vas voir son indépendance, tu vas voir son indépendance. Oh la vache. J'espère que ce stream sera jamais uploadé sur YouTube. Pas du tout. Et j'espère jamais que des personnes importantes le verront. On s'est renseigné avec des potes, le turban en Kevlar ça existe vraiment. Mais en plus y a des prototypes de vestes en Kevlar, c'est bizarre. Des prototypes de vestes en Kevlar, mais c'est plus ou moins juste une veste qui est cousue au-dessus d'un gilet pare-balles. Donc c'est déjà c'est pas top. Et, oh, c'est pas pratique. Et par contre y a un pouvoir de... Oh de l'argent. Ça arrête la pénétration mais direct quoi. Ah, le turban. Comme Adouim en slip. Voilà t'es prêt à quoi? Pourquoi elle est prête? Elle est toujours prête elle hein. Oh le boulard. Attends, il y a des trucs à visiter là. Ah, tu vas la fermer ta gueule. Oh putain, si je descends, tu vas voir la raclée que tu vas te prendre, Sheva. Oh là, il y a des trucs qui explosent. Qu'est-ce que t'as encore foutu? Mais non, mais il y a plein de trucs ici qu'on n'a pas vu encore. Attends, j'arrive. Genre ici, il y a une grosse bouteille. Ouh. Attends, je ramène mon gros cul. Allez, toi, tu restes par terre. Voilà. Ça servait à quoi de passer par derrière pour ouvrir la porte qui était déverrouillée de l'autre côté? Bah là, il y avait un putain de truc à récupérer. Une horloge, voilà. Mais ils connaissent pas les banques, ces gens-là? Bah évidemment que non. Enfin merde, déjà que le système pour comment les ravitaillements, tu sais, de riz, de Kouchner, ça marche pas. Alors imagine un système bancaire. Non, c'est pas possible. Attends, t'es passé. Y'a aucun guichet de la CMB ici, j'arrive. Elle met des vieux coups de pied dans le vide en plus. Oh là 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 là. Ah parce qu'il faut être deux pour avoir une porte avec ses pieds alors qu'il y a une poignée. La porte elle doit manger 60 kilotonnes. Ouais, on s'en fout en plus d'elle. Qu'est-ce que je fous là toi? T'es venu vendre un? Bah elle glande. Elle fait T'as dit qu'on attend au moins 10 minutes. Elle tourne une vidéo BBC. Ici je crois que normalement elle tourne une vidéo pour les fuck. Oh la vache. Tiens va prendre le Itaka là-bas. Voilà, merci qui? Comme dans Resident Evil 1. Comment ça? Bah, je veux dire, un truc qui se referme et qui nous écrase et... Non, pas ici, ils ont pas le droit d'avoir des mécanismes trop compliqués ici hein. Trop compliqué, parce que le joueur serait perdu. Déjà que la porte... Elle a été congolaise. De quoi? Congolaise. C'est dégueulasse. C'est un verbe. Encore? Mais non, mais pourquoi? Non, je voulais pas monter. Ouais, moi j'ai monté. Mais je pensais pas que ça aurait une cinématique. Eh bah bravo. Ah bah bravo. Encore un touriste qui est venu se faire kidnapper au Sahel. Ah, je mangerais bien des chips au fromage. Eh bah... T'entends le bruit chez moi? Oui. C'est mon voisin qui est en train de faire un cycle court, je crois. Aïe. Mon tir n'a servi à rien. Oui, ça a servi à que dalle. C'est un boss, ça? Non, je vais foutre une cartouche. Ferme ta gueule. T'en mets une autre. Attends, fais gaffe, elle va se relever. Voilà, continue. Voilà. Ouais, c'est pas un boss, mais elle en avait des trucs dans le crâne. Contrairement à. Non, 5 minutes. Contrairement à Sheva. Mais. Attends, je vais niquer. Et du coup, ça, c'est l'intégration des nouveaux mobs. En gros, de temps en temps, il y en a un qui va popper comme ça. Ouais. Comme dans Air 4, quoi. C'est donc 5 clitoris. Qui a dit ça? C'est la grosse foreuse. Pourtant, tu veux t'y connaître? Eh bah oui! En forêt des clitoris! Attends, ne bouge pas! Bonjour! J'ai retourné par là, je pense qu'on a oublié des trucs là, non? Ah, salut les gars! J'adore le fusil à pompe! Moi aussi! J'ai l'impression de déclarer de la dépendance avec ça! Ouh! Qui se relève? Tu te relèves? Ah tiens! L'autre aussi avec ses pieds là! Voilà! Il se relève avec quoi? Hop! Bouge pas! Toi, dans les. Il ressemble à Kojima lui! Oh la tartine que je lui ai mis. Oh un œuf, ça sert à quoi? Tu peux le manger ou tu peux le lancer. Oui, tu peux lancer les œufs. Comment ça? Tu peux lancer des œufs. Si t'as envie de lancer des œufs, tu peux lancer des œufs, Adouim. Ça s'arrête là, vas-y. Je me suis loupé. Non. Ah. D'accord, je vois. Ah. Ah, je me suis moins loupé. Quel connard. Oui. Attends, y a quoi ici? Y avait pas des choses ici là? J'ai fait se ramasser. Y avait pas des emblèmes du BSA qui étaient en dessous aussi là? Qu'est-ce qu'ils foutent là nos emblèmes? Putain, je me souviens plus. Attends, non, c'est pas dans ces trucs là. Ah putain. Ah, c'est un ennemi.
Regarde-le se barrer comme un voleur là. Bah t'as vu mon personnage. C'est pas. C'est une femme, j'ai dit. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde, ils ont barré le visage d'un mec sur un tableau. Ça, c'est un développeur. Ah, toi t'as mis une balle. Il est blindé. Il est où? Là sur le mur là. T'as loupé tous les trucs. Tout mis à côté. Oh la j'ai vache. Absolument tout mis à côté. Oh putain. Oh j'ai jamais vu ça, dis donc. Il y en a d'autres ici. Ah bon? Ils sont tous barrés encore. Et je peux pas mettre de couteau. C'était sûr, c'est pas. Oui, non, c'est ça, c'est des devs, ouais. C'est un poil lourd quand même à manier ces trucs-là. De quoi ça, les chamblards? Attends, y'a pas un boss là ou un truc? Non, y'a juste une vague, mais y'a pas de boss. Une vague? Genre le film? Oui. Qui était bien d'ailleurs. Oh! Casse-toi! Ah! Tu vas te barrer, madame! Voilà! Comment je t'ai trop aidé! Oui, Adwim! Comme bravo Edwim! Mort, Russia! Ah, y'a encore Saddam Hussein! Aide-moi! Oh, ah, sans moi, tu serais tellement mort! Voilà! Heureusement qu'il y a une femme pour t'aider! Hein. Bravo Edwim! Oui! C'est vrai! Toutes les femmes sont des reines! Sauf, if she breathes, she's a thought! Voilà, impeccable! Je descends par là! Bravo Edwim! Ah en fait, là. Celui qui casse le baril, il n'a pas le temps de ramasser si quelqu'un se trouve dans son dos. Ouais, okay, c'est ça. C'est bon à savoir. C'est bien ça. T'as vu, j'ai un baril là-bas, Russian. Je sais pas ce qu'on peut faire avec. Non, c'est juste une porte, d'accord. Ok, bah c'est juste une porte, très bien. Elle a de l'avenir comme Stormtrooper. Ah bah oui, si elle arrive à louper qu'un fusil de chasse à littéralement 25 cm, c'est qu'elle est talentueuse, la gamine. Hein. Je suis pas sûr qu'elle va aimer avoir un casque sur la tête avec ses cheveux. Elle sait pas contrôler les grosses prêts. Ah. Ah ah, c'est inquiétant. Oh là là! Oh, tu te rappelles de ce passage? De ce passage? Est-ce que tu te rappelles de ce passage? Dans avec, la vidéo avec Christine Boutin? Non, attends. Ça, c'est où? Avec le jus qui coule. Oui. Oui! Je me souviens du jus qui coule il y a 10 ans. Attends. Il y a le jus qui coule. C'est plus loin, c'est. Là. Là. Et tu te rappelles ce qu'on disait? Non. Tu veux que je le redise? Je veux bien. Alors, ouvrez les guillemets, je cite Russian il y a 10 ans, ah ah ah, je deviens noir. J'ai fermé les guillemets. J'essaie de te buter, mais ça marche pas, putain. Attends, moi aussi, je veux devenir noir. There is superstitious. Putain, ça marche pas. Oh, tu vas gagner Roland Garros. mais c'est marrant quand même, il y a quand même une espèce de d'effet en fait quand tu passes dedans, c'est marrant ça. Ah. Oh, il y a Adun qui est venu. Qu'est-ce que... Non, il y a un cadavre. C'est un membre de l'équipe Alpha. Fais voir. Oh la vache. Oh, ils sont pourris tous. Il s'est pris des trous, lui. Tu devrais ouvrir ce baril là-bas, je pense. Je suis gouré de touche. T'as en plus... Non, parce qu'on peut, pas être tous les deux sur l'échelle. T'as plein... Oh. Ça veut dire que... Ah oh, mais c'est que de la thune, putain. Par contre, balancer les échelles, je trouve ça génial. Oui, ouais, carrément, ouais. Je peux... Oh. Oh. Youh. Eh ben, impeccable. L'argent. De l'argent, logement, les flics. Attends, il y en avait plein d'autres. Attends. L'argent et tous les objets précieux, c'est moi. Et les munitions et les armes, c'est moi. D'accord, eh ben écoute, on est d'accord. On fait comme ça. On fait comme ça, ça me va. Il y a une évolution dans vos conneries quand même, c'est rassurant. Une évolution, disons que ça a changé. À quel niveau on a régressé quand même? Au niveau de la cruauté. Russian, il a des cheveux blancs maintenant? Non. Non, j'ai aucun cheveu blanc, Adwin. T'as aucun cheveu? J'ai aucun cheveu tout court. Quelque chose est attaqué. C'est pas vrai. Putain, Irving, j'avais oublié Irving aussi. C'est qui Irving? C'est le mec qui ressemble au batteur de Metallica, sur le bateau. C'est qui Metallica? Le mec qui ressemble à Irving. Oh, le vieux disque dur, c'est même pas un SSD. Oh, le noob. Oh, le noob. Regarde, c'est ça. Je vais dire, c'est Schlong Black, je voulais dire ça. Alors, je vais dire Schlong. Les Schlongs. Les Schlongs. Ah, t'as vu ses cheveux? Ah, il est décédé. Les cheveux de... Bah, de du mec à gauche, là. Oui. Son absence de cheveux. Il ressemble à un mec d'Ozone. À l'avion, dans le clip. Mais non, le gun il est tellement gros dans sa main.
Je me demande si tout ce que tu mets dans sa main, c'est gros. Putain, mais Adouim, j'ai essayé de faire un truc un petit peu couvert. Ça va en rassurer certains. J'aime bien la chaîne énorme que j'ai autour du cou. Est-ce que quand elle est autour d'un cou, elle paraît plus grosse? Tu crois que je peux l'enrouler autour du cou de Shiva? Ma bite. Bite. Voilà, ils vont s'emballer. Non, allez. Y a pas de relation entre les deux dans le jeu. Non, ils sont juste collègues, je crois. Ouais, collègue. Après une dure journée de boulot. Non, c'est pas une relation, c'est juste que ça s'encule, quoi, c'est tout. Oui, ouais, ça s'encule. Putain, mais y a que des munitions de mitrailleuse et les rares munitions de flingue, c'est toi qui les prends. Ah, ça fait plaisir. Viens, non mais viens, je te les donne. Ah, cool. Tiens, voilà. Ah, oh, mais tu l'as mis par terre, espèce de con. Non. Si. Non. Ah oui. Chris, il est toujours sur Jill. Alors qu'il a elle. Attends, fais voir un truc. Je peux te demander un truc? Ouais, mais j'en ai pas. Dan. Comment ça t'en as pas? Je vois ton inventaire, hein. Tu vois mon inventaire? Oh merde. Donne-moi celui-là là. Attends, sors d'ici parce qu'on est dans l'ascenseur, ça pète. Attends. Ah, casse-toi! Voilà. Vas-y, refais. Je peux pas répondre directement. Merde. Ah. C'est dommage qu'on puisse pas répondre d'un clic quand il y a ça. Ah oui, tu dis juste oui, puis hop, ça lui donne quoi. Ouais, carrément. Est-ce que je dois passer vers l'inventaire et... Bah putain, je vais avoir Ozone dans la tête à cause de toi, Momo, tu fais chier. J'ai pas encore utilisé un seul nom de ma liste de personnes noires connues. Vas-y, utilise une. Attends, y'a une munition de mitrailleuse. À deux. Là. Parce que j'ai quand même N'Golo Kanté dedans. N'Golo Kanté. Son nom, il est rigolo, je suis désolé. Il est rigolo Kanté. Ah, t'as vu, c'est cool. Ah, j'aime bien, moi. Ça a l'air. Cette matière noire gluante était également présente sur les cadavres. Qu'est-ce que ça peut bien être? Moi je sais. Oh putain. Quoi? Rien. Ah ouais, je vais me doucher. Ça peut pas couler sur moi. Oh. Non. Tu te souviens de ce passage là, Adouim? Oui, j'ai vu, hein. J'ai vu Adouim. Quoi? J'ai vu Adouim. C'est pas grave, c'est toi qui tireras du coup. Oh. Une femme qui a du mal à partager. De qui il parle? De Jill? Y'a quoi là-bas? Y'a quoi? Tiens dessus. T'as pas de munitions? T'as loupé. Juste... Je regarde la balle, elle est juste. Ouais. On la voit. Ok, c'est bon. Pourquoi elle peut pas recharger en marchant par contre? Mais il est bizarre. Ok. T'as vu la balle, on la voit très bien, mais. Ouais, on la voit là. Ah non, c'est chiant, c'est pas ça. Mais non, c'est pas chiant, c'est rapide. C'est dans super longtemps. C'est rapide. Non, c'est un des premiers, hein. Tu sais que je m'en souviens de ça en plus. Ah bah oui, j'espère. Quoique, c'est pas déjà direct. Ah si, c'est juste après en fait. Pourquoi quand moi je casse des tonneaux, c'est que de la thune, et toi quand tu les casses, ne ferme pas. Ok. Oh putain, oh, j'ai eu peur Adouim que tu fasses une connerie. Tu veux que je fasse ça? Non, c'est bon, je suis pas dedans de toute façon, je m'en fous. Et du coup, attends. Oh. Non! Adouim. Qu'est-ce que... Oh, j'ai eu peur Adouim. Le truc a commencé à se refermer et heureusement qu'il y a une feature pour passer par dessous. Oh là là, j'ai entendu ton cri de panique, je me suis dit ça y est, c'est fini. Ça y est, on arrête ce stream. Ok. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Allez, c'est Tipar. Allez, c'est Tipar. Pourquoi ils ont constamment le flingue levé? Ils ont peur? Bah évidemment, ils sont en Afrique. Réfléchis. Réfléchis, son gros con. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai beaucoup de respect là, pour toi. C'est ridicule ce qui va se passer, je crois qu'il va laisser tomber la clé ou... Non, je crois même pas, hein. Bah, tu sais très bien. Comment ça, c'est quoi ce truc? Réagissez, tirez dessus direct. C'est N'Golo Kanté. Ah, c'est dégueu. Il est passé dans ses yeux. Bronzage à la mode 45, bravo Madati. Oh, en plus on va devoir viser les yeux. Mais non. Mais si. Mais non. C'est bon. C'est bon. Mais cours. Piou, t'es mort. Oh, les réflexes qu'ils ont, quoi. Ils ont sauté dans la même direction. Oui, et je sais pas comment ils ont fait, parce que... clairement, avec le mouvement de caméra, c'était pas ça, quoi. Hop, je me casse. Les deux lâches. Faudrait qu'on aille dedans. Attends, comment on fait? Qu'on la tire ici. Non, dans l'autre sens. Attends. Par là. Non, mais vas-y, reste au truc. Prépare-toi à appuyer. Je vais essayer de la tirer. Bah oui, mais il va peut-être venir vers moi aussi, parce qu'en gros, il se téléporte. Attends. Ok. Ah.
Donc là, ça commence à être fun. J'essaie de l'attirer. Eh, fils de pute! Eh, lui, viens! Un tout rive, il va à l'Algérie! Ok. Il vient vers toi? Oui, vas-y, vas-y. Non, mais je crois qu'en gros, quand on a pas assez. Enclenche, 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 enclenche! Il est pas dedans, il est pas dedans, il est pas dedans, il est pas dedans. Si, quand... si, mais ça met du temps. Enclenche, enclenche! J'essaye, mais le truc, c'est que quand on a pas assez blessé, il a le temps de partir en fait. Reste dedans, salope. Attends, y'a un bidon, y'a un bidon là. Reste dedans, salope, reste dedans, salope. Je crois que c'est bon? On l'a eu du premier coup? C'est fini? Non, je crois pas. Si? Bah, comment tu veux que ça résiste à ça? Mais en, il me semblait qu'il y avait un moment un truc où en gros il pouvait se téléporter s'il était pas assez blessé ou un truc comme ça. Ah bah si. C'est qui les super players? Oh la vache, on l'a éclaté. T'as vu le plan qu'on a eu, comme on a pris les choses en main? Ouais, c'est, ça c'est de la bonne gestion, je trouve, d'équipe. Ouais, maintenant je peux te piquer les munitions? Eh bah écoute, fonce hein. Y'a que sur lui, y'a rien sur lui. Je me casse. Et bah, ouh la vache, j'en ai pris plein la gueule, bravo. Oh la vache, il me pique en plus. Ouh. Ah mais t'as plus... Attends, reste à côté, je peux me soigner avec toi. Là. Oh. Ouais, t'as vu tout ce que j'ai fait pour que je puisse me soigner à côté de toi? Ouais, j'ai vu, ouais. C'était bien compliqué pour rien, je trouve. Moi j'aime bien. Les bananes plantains, c'est pas bon. Oh, ça te dit, on se commande du rhum? Non, pas du tout. Par contre, des bons shots de vodka pas bonne, là je suis d'accord. Oh! Tu l'avais goûté le rhum qu'il y avait chez moi? Oui. Il était bon. Hein. Ça va, mais de toute façon, je suis pas très fan de rhum, moi j'avoue. Donc, d'un point de vue comment, subjectif de mec qui aime pas le rhum, ça allait quoi, il était tolérable. Mais il était plus que tolérable, il était très. Parce qu'il y a des rhums, si tu veux, que c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Tout ce qui est rhum planteur et compagnie, enfin c'est dégueulasse quoi. Planteur. C'est pas fait pour être bon. Est-ce que t'as vu que ça, du coup, c'était le début de la deuxième vidéo de notre playthrough original que oui, j'ai lancé tout à l'heure? On avait rien fait, hein. Non, on avait vraiment fait que dalle et ça nous a pris une heure quand même. Alors, remarque que ça nous a pris une heure aussi, donc. Ouais, en fait, c'est exactement la même chose. Je crois que c'est exactement la même chose. Je crois qu'on connaissait bien en fait. C'est lui, Irving, le gars à droite là. En fait, on devrait passer des vidéos et faire croire qu'on stream et on aurait gagné une soirée. Oui, ça s'appelle faire une vidéo sur YouTube. Le rhum blanc White Spirit de l'IRL, il était pas ouf. Mais c'est pareil pour c'est la tequila. C'est hein. Du rhum, enfin, c'est un truc fait pour être mélangé. En fait, tu ne le bois pas. Tu te souviens qu'on a essayé de faire les tech-paf avec une tequila qui datait de 4 IRL avant et que j'ai failli germer dans le beau jardin de Brictan. Mais j'ai pas vomi. Ah, moi, je dormais ce soir-là. J'étais fatigué. Non, ça, c'était chez moi quand t'étais défoncé là et qu'on a joué au loup-garou et que tu t'es suicidé. Oui, non, mais... Le soir où tout le monde était bourré chez Drake Tan, je me suis couché vachement tôt parce que j'étais pas bien. Ah oui, t'es claqué. Oh. La tequila sans rien, c'est immonde, c'est assez vénère. Ouais. Je sais pas comment ils font les Chicanos, mais respect, franchement. Bah, ils ont pas de palette. Mais elle est beaucoup trop belle, mec, c'est pas possible. En fait, quand t'as pas de travail, t'as le droit de boire de la tequila. D'accord, t'as le pouvoir physique en fait de boire de la tequila, je comprends. T'aimes ça du coup, toi? Je déteste. Je suis beaucoup trop occupé. Je suis élu. Rien qu'avec du sirop de citron. Je t'écoute pas. Sheva, hein. Eva c'est pas la même. Eva c'est MGS3. Eva. C'est pas la même couleur que MGS3. Hein. Ouais, tu sais les lions, ouais, je connais. Mais tu sais les lions sont vraiment les reines. Aïe. Miaou miaou miaou. Oui, Galt. Croquettes. Ferme des bites. Adwim, ouais, c'est insane. Adwim, ça va? Non. Je vois bien. Ah, c'est ça. T'as faim, en fait. Ah oui, j'ai faim. D'accord. Est-ce que du coup, il y a un symbole du BSA ici? Ouais, donc Q. C'est pas grave. Comment ça, je débloque les succès alors que j'ai déjà fait le jeu? Je t'ai éclaté au niveau du score. Ferme tes gueules. Par contre, il y a un truc que je comprends toujours pas, c'est le temps. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il rate différemment le temps. Bah non, on aura chaque fois la même chose. Hein. Oui, est-ce que tu peux finir sans moi? Est-ce que... je sais pas. Ça, c'est ok. Ça, je vais le foutre là. On peut pas acheter de munitions, c'est vraiment bizarre. Hein. Est-ce que je montre un autre gun? Je peux montrer un autre gun? J'ai acheté un gilet pare-balles. Un gilet pare-boule. Mais on le voit même pas. Je sais même pas, j'en ai... Ah si, attends. Parce que attends, celui-là, je peux l'améliorer. Celui-là, je peux l'améliorer. Combien, je sais pas c'est quoi le meilleur, fais voir, si je fais acheter c'est quoi le meilleur gun? C'est le des munitions de fusil? Non, de 9mm? Non, vas-y, garde-les. Non, je les ai envoyés. D'accord. Je vois ça. Je peux améliorer le SIG, mais est-ce que c'est bien... Donc là, attends, on est quand même
deux occidentaux, même si j'ai une couleur de peau assez prononcée, on va dans un pays d'Afrique pour voler les richesses et les revendre. Quelque part, ça fait sens. Quelque part, c'est l'histoire de nos vies. Alors, nos vies, je sais pas, mais... En même temps, s'ils voulaient pas qu'on les vole, ils avaient qu'à mieux garder ça. J'aime pas Adwim. J'aime pas Adwim. Non, mais c'est vrai. Je veux dire que si j'ai de l'argent que je veux garder, je le mets pas dans une malle en plein milieu de la rue. Qu'est-ce qu'il y a au pseudo? Mets pas un cœur à ça, pseudo. Tu vois ce que tu fais? Attends, je vais prendre le 6. Ça vaut le coup, à mon avis, d'améliorer l'arme de base, le 9mm? Ouais, je pense. Ou la petite mitrailleuse, là. Putain, je peux vendre des armes. Genre, si je le vends, l'Itaka, ça coûte combien? Je le fais combien? 17 000 balles. Ah, c'est pas top. Et en plus, non, je veux pas le vendre. Non, je veux rien vendre. Ouais, j'essaie d'améliorer à fond la puissance du 9mm. Oui, tu peux. C'est pas un investissement trop con, de toute façon, donc... Oh, ça coûte que dalle, les grenades. Okay. Le pire truc, c'est le jean pur. J'ai pas souvenir d'en avoir bu du pur du jean. Non, moi non plus, ça me dit rien. C'est quoi là-dedans? C'est pas un sniper? Ah non, c'est un MP5, vas-y, tu peux le prendre si tu veux. Hop. Voilà. Oh, donc, il est trop bien en plus avec le petit viseur. Donc là, du coup, regarde le gun. Il est beau ou pas? Est-ce que t'as vu cet énorme symbole phallique? Énorme symbole de bitasse. Ah oui, c'est comme ça carrément, quoi. Ouais, parce que il y a la bite. Il y a la bite. Il y a la bitasse. La bitasse, ça sent bon. La faritas, le Mexique, le sable chaud. La manitas de la bitasse, les artistes peintres, les beaux dégâts. Si on te dit mexicain, tu penses quoi en premier? Je pense directement à un mec qui dort avec des ceintures de munitions sur lui. Vrai, je suis désolé, hein, mais j'ai été élevé avec Lucky Luke, donc je peux pas faire autre chose. Du coup, si on dit espagnol, tu penses à quoi? Je pense directement à une corrida. Le jean, ça a littéralement le goût de détergent. Et peut-être que les gens, il y a peut-être des gens qui aiment bien ça, t'as mec. T'as déjà goûté du détergent, Momo, parce que tu serais mort? Moi, j'ai déjà goûté de l'alcool à 90 quand j'étais petit. Ouais, bah moi, je buvais du Rickless avant. Ouh! Oh là le là Rickless, le Rickless, c'est ce qu'on donnait aux joueurs de foot qui se prenaient une balle dans la gueule pour les réveiller. On donnait du Rickless avec un bout de sucre et ça réveillait les gens. Mais c'est pas juste un truc à la menthe, un genre de soda à la menthe? C'est un truc médical, le Rickless, c'est 80 degrés, oui, je crois, de base. Enfin, quoi? C'est ignoble, c'est 70-80 degrés, enfin, c'est très volatile. Le Rickless, t'es sûr? Tu comprends pas avec autre chose? Mais non, il y a deux trucs qui partagent le même nom, et t'en as un que t'en achètes en pharmacie. Et celui que t'achètes en pharmacie, c'est vraiment pour réveiller des gens qui se sont pris un coup dans la gueule, quoi. D'accord, parce que oui, c'est ça, moi le Rickless que je connais, c'est le soda à la menthe. Oui, non, c'est un truc extrêmement violent, le Rickless. Qui est très bon, cela dit, hein. C'est un des seuls trucs à la menthe que j'aime bien, d'ailleurs. Au foot, on prenait les... comment ça s'appelle? Les trucs médicales, les caissettes médicales, pour avoir les bouteilles de Rickless. Oh putain. Oh là là, bravo. Déjà junkie à cet âge-là. Ça s'écrit Rickless, le truc médical, avec un QE, c'est ça? Oui, un Rickless, quoi. Ok. Il y a encore des connards ici. Essaye avec un sucre, tu verras, ça réveille un homme. Enfin, c'est... Oui, enfin, si c'est de l'alcool à 80, j'imagine que ouais, ça doit bien réveiller un homme. C'est pour ça qu'il faut quelque chose de solide pour pouvoir le boire. Sinon, ça. T'ouvres la bouteille, le truc il fait. Ça disparaît dans. Ah, je me suis pris une flèche dans le cul. Salope. Ça disparaît dans les méandres. Par contre, évitez, parce que le Rickless, ça va directement taper les neurones. Ouais. Et essayez surtout pas d'imbiber un tampon avec du Rickless pour vous foutre dans le cul, non, parce que je pense Saint-Tol. Que ça. Faut pas le boire, le Saint-Tol. Oui, c'est pas. C'est pour les plaies, le Saint-Tol. Attends, y a mes assiettes qui tremblent. De cette information. Voilà. Non, je veux pas tester mon Deagle maintenant. Je testerai plus tard le Deagle. Enfin, pour les coups, pas avec les. Ah. Oh, des petits pips. Regarde, ils sont trop beaux. Oh la vache. Oh la. Je trouve que tu t'en sors plutôt bien. Oh. Attends, en backup, s'il y en a un qui s'approche trop. J'en ai éclaté sa dame. Ok. On a encore éclaté sa dame. On dirait un livre. On dirait le nom d'une fanfic un peu dégueulasse. Ouais, voilà. On a encore enculé sa dame. On s'est encore éclaté sa dame. Ouais. Oh, bonjour. Percute. Dans ta gueule. Oh, c'était indirect. Est-ce que j'étais en sous deux, on prenait un petit peu sur dessus pour stabiliser. Ouais, toi la Rickless. Eh. Oh là là là, c'est plus discret qu'un flash. Un flash, c'est quoi un flash? Ah, c'est pas les petites bouteilles là, enfin les petites. Si, un flash d'alcool. C'est ça, ouais. Je connaissais pas cette expression. C'est dégueulasse qu'il y a dans les flashs. Bah ça dépend. Oui. Depuis que j'ai mis un petit peu de belay là-dedans. Oh, c'est une blague. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, tu m'as fait vraiment peur, Mathieu. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a un pchit à la fraise qu'il a commandé du Japon.
Et depuis hier, il se met des petites dans la bouche, tu vois, parce que c'est bon, c'est un peu sucré et tout. Et je pensais qu'il avait vraiment mis du Bailey dans son pchit, et je me suis dit, putain, ça y... Enfin, ah, c'est vraiment la fin, quoi. Mais attends, oui, mais t'es où, en fait? Imagine, tu mets de la... bah, je suis parti, moi. Ah, bonjour. Couché. Voilà, petit pips. Là, tu mets de la liqueur dans un truc... Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens, nique ta mère. On dirait une chanson le début d'une chanson avec de Fatal. Nique ta mère. nique sa mère. Voilà, ta gueule. Ah, mais pro. Oh, le juggle. On l'a juggle. Regarde lui là-bas là. Oh, lui il va pas monter. Lui. Ah, ça explose pas ça, d'accord. Très bien. Je suis en train de dépenser toutes mes munitions pour rien. Je vais en ramasser juste là d'ailleurs. Bon, c'est pas mal de garder le deagle parce que du coup j'ai pu one shot le gros là. Ah ouais, ça a été violent. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a encore un mec avec. Bien joué. Il y a encore un chien qui vient de spawn. Il me suit. Oh mon dieu, ils foncent sur nous. Ils foncent sur nous, attention. Voilà, impeccable. Je suis au maximum de grenades à main. T'avais laissé des bijoux par terre. Putain, mais Russian. Bah, j'ai pas le temps. Tu te rends pas compte. Regarde comment ça change direct l'atmosphère quand tu regardes le canal là avec les couleurs. On dirait le Vietnam. Ouais, un peu, ouais. Par contre, on s'était arrêté là dans l'autre vidéo. Après le pont. Ah ouais? Oui, on avait fait le pont et c'est même la vignette, je crois. D'accord. On était vraiment pas allé loin. On n'avait pas du tout continué le jeu en fait. Bah non, on avait rien fait. Hein. Putain. Et là, on va le finir. Rien qu'avec ça, on voit qu'on est devenu adulte, tu vois. Bah désormais, on paye des impôts, Russian. On finit les choses qu'on commence, ouais. Il y en a plein des choses que j'avais fini. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà, j'ai plus du tout de place sur moi. Attends, t'as pas des munitions que tu voudrais pas, toi? Non. Non plus. Eh bah écoute, on s'en bat les couilles. Alors oublie pas ici. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Oublie pas. Bah il faut faire quoi? Oublie pas, Dwim, oublie pas surtout, hein. Je sais pas si ça va être suffisant. Et non. C'est bien parce qu'on se voit que je me range un petit peu. Oui, dans oui, l'espoir oui. Que ça passe. T'as essayé mais non. Non. Ah bah tiens, on peut, voilà, on pourra faire ça. Non. Je vais juste... tiens, retirer ça. Attends, je sais pas quoi il sert le gilet pare-balles. Ça réduit les dégâts tout simplement. J'ai 1000 balles, est-ce que je peux améliorer encore un petit peu mon SIG? Comme vous pouvez le voir, du coup mon magnum là il est amélioré au maximum. Je crois que celui-là aussi d'ailleurs. Ouais, maximum aussi. C'est un petit peu un témoin du temps que j'ai passé à jouer au jeu en fait celui-là. Je non. Je pourrais mettre de la bière dedans. Oh putain, Dwim. Fais pas ça, Dwim. C'est le début de la fin, Dwim. Dwim, tu vas où là? Éloigne-toi de ce frigo, Dwim. Y'a pas un trésor à vendre? Si, mais c'est trop tard. On a toujours des trésors à vendre au fond de nous. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais, ok, comment faire? Faut le défoncer? Attends. Bah, tire sur les bidons. Les bidons. Non, je crois que ça fait même rien en fait, les bidons. Il me semble regarde que. Regarde où je suis, Océane. Les bidons, c'est juste. T'es où? Ah, l'enculé! Ah, l'enculé! Ah! J'en ai pris une. C'est un sniper? C'est qui? C'est l'arbalète. J'ai essayé de tirer sur le carreau, mais ça marche pas. J'arrive pas à voir où est mon laser, il y a trop de couleurs. C'est pour ça qu'il y a un filtre, peut-être. Ça contribue à mieux détecter ton laser. Tu crois que c'est juste ça? J'ai compris ta blague aussi, il y a trop de couleurs. Ouais. C'était même pas une blague à la base, hein. C'est juste toi qui as vu une blague parce que t'es. Si, c'était une blague. T'es clairement un tyran, tu vois. Voilà. De la bière en brumisateur. Tu penses que tu peux mettre de la bière dans un Febreze? Oui. C'est le truc qui fait les petits. Bah, évidemment, tant que ça fait du gaz, tu peux. Tant que tu gazifies. Franchement, non, c'est à moi ça. Attends, je te renvoie après. Non, remarque, non, t'as un fusil de chasse aussi. Non, ça s'entend. Non, je l'ai enlevé, justement, je l'ai enlevé. Ah, et eh ben écoute. Parce que je voulais avoir de la place. J'ai plein. Merci beaucoup. J'ai failli jeter mon 9 mm. Je crois que la suite c'est par là-bas. Ici, normalement, y'a rien. Attends, y'a des trucs à ouvrir. Ouais. On est presque civilisés. Hein. Ou non, pas du tout. Bah si, on se dit qu'il y a des trucs à ouvrir. Voilà. J'aime bien ce jeu, en vérité. Wow, il est gentil, quoi. Il est gentil. Il est gentillet, ouais. Brumisateur Grimbergen dans les latrines. Ouais, t'as vu que je t'ai ouvert la caisse. Oui, bravo, Adwim. Merci beaucoup, Adwim. T'es mignon, Adwim. Regarde. C'est longtemps que j'ai pas vu de la Grimbergen. C'est... Oh, tiens, bah, regarde. Un symbole de BSA là-bas. Oh, je veux l'avoir. Vas-y. Yes. Du premier coup, hein. Impeccable.
Il y aura des petits chiens, attention. Des chiens? Ouais. Vas-y, passe devant. Vas-y, toi. J'aime pas les chiens. J'étais derrière toi en support. Allez, sautez les enculés. Tiens, si tu te casses. Oh, vache. C'était ma dernière balle. Et bah voilà, impeccable. C'était tellement ma dernière balle. Comme quoi, t'as pas besoin de munitions. Ah, ah. Y'a pas un pouvoir pénétrant suffisamment grand avec ce flingue. Les pauvres petits chiens, regarde. Non, c'est des putains de gros chiens de merde qui veulent te tuer. Les petits pips. J'ai pas tout à fait la même la même vision des choses, mais je peux comprendre. Casse-toi la porte, là. J'ai aucun respect pour les portes, moi. Juste un chien. Quoi? Non. C'est jamais juste un chien, c'est toujours un petit ange. Tu te souviens de ce qu'il a dit, Jérôme Le Banner, hein? Il préfère les chiens aux humains. Oh, à la fin, ça, il part tellement live, Jérôme Le Banner. Ouais. C'est quoi ton groupe sanguin? Le groupe sanguin. Ta manière de manger et tout, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, le groupe sanguin, ça dit si tes ancêtres étaient cueilleurs ou chasseurs. Et le mec, il dit, oh, moi, je suis plutôt cueilleur, moi, je suis plutôt, voilà, les fruits, etc. Oh non, pas des trucs qui volent. Ah bah si. Je veux dire, en plus des gens qu'on tue depuis tout à l'heure. Ah, bravo. Tu te souviens de... des bestioles qui volent comme ça dans le film et que ça fait le symbole d'Umbrella? Oula. T'es sûr pas? Ça te dit rien? Dans quel film? Dans un des derniers, je crois. J'ai vu récemment le dernier. Regarde. Il est bon ton jus de fraise, Sheva? Espèce de déglingué. Bien joué. Impeccable. Oh, il y a un truc là, c'est quoi? Un trou de balle. Si je puis dire. J'en ai fait un supplémentaire. Tu m'as fait un trou dans un trou. Vous savez que ça rentre dans un trou. Attends, salope. Tu sais que la blague du qu'est-ce qui ravit 9 personnes sur 10, je l'ai fait à plein de personnes au boulot et marche super bien. Oh putain, t'as quoi comme réponse typiquement? Beaucoup de rire. Beaucoup de... Oh. Non, vraiment, les gens ils aiment. Oh, Michel, parce que tu dis à tout le monde que tu t'appelles Michel parce que tu veux pas donner ta vraie identité. Vous la connaissez vous sur le chat, la blague qu'est-ce qui ravit 9 personnes sur 10? Je l'ai dit en stream, alors ça se trouve qu'il y a des gens qui étaient pas là, donc peut-être que non. Ouais, peut-être qu'il y en a qui savent pas. Hein. Qu'est-ce qui ravit 9 personnes sur 10? Oui. Oui. C'est vrai que cette blague marche bien, je pense qu'ils la connaissent, parce que je te rappelle que notre public, c'est pas les gens que tu vois au travail, nous, chez nous, c'est des déviants. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, j'avais galéré ici, faut passer par là. Ah ouais, plage. Et faut remonter par au-dessus. Attends, regarde la demi, tu vois pas? Mais donne pas la réponse, Tana. Regarde le truc qui brille ici. Il y a un truc qui brille ici. C'est ça. Non, mais derrière, sur la plage. À mes pieds, tu vois? Oui. Blip. Et voilà. C'est tout, c'était un petit trésor, ça coûte 100 balles. Aïe, non, on a dit pas les flingues. On m'a couvert. Putain, elle est bonne. Parle de la blague ou... Oula, attends, là, on va devoir attendre un petit peu, je crois, dans mes souvenirs. En fait, on dirait plus que c'est un sparadrap qui colle le laser de l'Hydra Hunter, mais ouais, c'est collé, ouais. On peut les casser les fruits là. Oui, tu peux casser les fruits. Et normalement, sous une petite bodega là, voilà. Adoum, viens voir. Et bah, la blague sur la somalienne, je la faisais juste après, elle est passée moi. Viens ici, Adoum. Et regarde sous la tôle de la bodega là. Oh putain, il est caché. Voilà, impeccable. Ouais, la blague de la somalienne, moins percutante peut-être ou. C'est quoi déjà la blague de la somalienne? J'ai pas envie de la faire. Ah, elle avale là, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, bah, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'en public, c'est un peu plus chaud de rigoler à ça, tu vois. Moi, j'aime bien. Oui, toi, t'aimes bien parce que c'est pareil, t'es possédé, mais. Sur plein de shaders, il y a un petit contour noir. Ça fait vraiment cel shader, hein. Mais oui, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Ah, mais vraiment, là, c'est marquant sur les crânes. Et surtout sur les gens qui sont pendus, ça se voit beaucoup. Et je sais pas d'où ça vient parce que c'est pas du tout l'original, le cel shading comme ça. Donc je pense que c'est un shader du coup qui a été rajouté avec le mod, mais on l'a pendu au plafond avec les clés, c'est qui c'est? Et on lui pèlera le jonc comme bailli du Limousin. Qu'on l'a pendu un beau matin. On l'a pendu avec ses tripes. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ouais, moi non plus, j'aime bien pourtant. Il y a du Hera dedans en plus. Il y a du Ameno. Ameno. J'aime bien cette chanson, je pense que je vais le mater ce soir, tiens. Non, moi ce soir je regarde Nishijou. On est pas du tout ensemble. Voilà. Pas du tout. Oh, y'a gros. Je vais lui foutre un one shot au gros là, bouge pas, je me retourne. J'adore péter les échelles. Ouf. Un autre. Tiens, cartouche. T'en veux encore toi? Direct.
Bim. Voilà. Faut aller où là? Faut aller sur le bateau? Ouais, faut pas, faut sortir par le... T'as chopé la clé. Donc faut aller sur le quai, sur le petit bateau. Et ensuite, on fait le tour. Je te couvre, Sian. Sakamoto. Mite, mite. Je l'aime bien, elle. Comment elle s'appelle déjà? La professeure? Oui. Je sais plus comment. Bah son nom c'est professeur en fait, mais avec ses requins là. Shinonome, Akase. Shinonome Nano Akase, c'est laquelle? C'est Akase, pas le robot, c'est le professeur justement. Bah ça veut dire professeur. Et Nano c'est le robot, ouais. Shinonome Nano, ouais. Dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des trucs bizarres dans la bouche. Attends, il y a des gens qui arrivent, Enfin des gens. Et puis c'était la grande époque où on streamait des séries entières sur le. Oui. Sur oui. Enfin, je veux dire, non. Je suis en train de me faire arracher la tête. Je peux pas t'aider. Ah, ça me pique. Je peux t'aider à travers le. Je tire sur les trucs qui volent. Ça me lance. Akase. Avec un H, s'il te plaît. Un peu de respect. Voilà. Plus de balles. Je veux pas lire votre livre sur quand vous étiez en taule, monsieur. On peut descendre ici? Ça sert à quoi? Ah, ça sert à devoir refaire tout le tour, d'accord, je vois. Qu'est-ce que tu fais, espèce de sombre abruti? Je sais pas, écoute, je suis pas aux commandes de ma vie, Adwim. Ah, d'accord. Ah bah bien, bah tu vois que ça va pas. D'ailleurs, à quand H sur le drive-in? Je sais pas. H. H. H, ouais. Ok. Bon courage à lui. Oh, il est derrière moi là. Bah bon courage Lucian. Ouais, c'est chaud un peu, c'est pas grave. Ferme ta gueule. Et ah bah il est déjà mort, ok. Y'a pas de munitions dessus, ok. Enfin je me soigne un peu. Fais voir. Tiens ça. J'ai pas des grenades. Ah. Je me sens rafraîchi. Putain de bordel. Ah, y'a pas de munitions, ça va Dwim? Non. J'arrive. Ne t'inquiète pas, Dwim. J'ai plus de balles. Si, ça va en fait, ça va. Je suis là. Je crois qu'il y a un trésor dans la flotte ici. Si point ne me trompe, je. Ah oui, toi t'es parti, tu fais ta tambouille, toi. Ah bah écoute, toi t'es parti devant, moi j'ai des trucs à voir avant. Voilà, ici, hors grand, 400 balles. Ce serait pas un peu bourré de. T'es à combien de bière? Bah, oh. Ouh. Non, j'en ai plus de billets au frigo. C'est vrai? Bah, ouais, faire les courses demain. Non, justement, j'en ai, mais je les mets pas au frigo. Ah, d'accord. Parce que sinon, je les bois. Mais c'est problématique du coup. Il me faudrait des munitions à deux. Bah, moi aussi, tu vois. Je t'ai entendu te foutre un spray. Bah, oui, j'étais en train de mourir. Ouais, non, mais je vois l'ambiance. La mort, la dépression. Y'a pas de munitions, mais si, y'a des munitions sur le toit là-bas. Là, y'en a pour moi. Ouais, y'a plein de munitions de mitrailleuse partout, hein, donc hésite pas. Oh putain. Y'en a plein qui sont venus là, Ocean. Oui. Attends, comment ça, j'ai plus de place sur les munitions de pistolet, putain. Bon, bah les couilles, hein. Hop, voilà. C'est toi. Et je veux ça, voilà. Ah, ça va, on a un hélicoptère qui nous aide des fois. Quoi, Adam? Saddam, je veux dire. À chaque fois, je dis Adam Hussein, mais c'est complètement con. Adam Hussein. Oh, bah oui. Voilà. Oh, ça m'a dubé, oh, ça. Putain, y a un oiseau qui est sorti de ta tête. C'est bizarre comme phrase. Voilà. Et lui, il fait ses petites emplettes pour le moment. Mais j'étais en train de le tirer dessus en même temps. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ne sois pas aussi négationniste. Moi, c'est... Ouh, ouais, c'est chaud. J'ai senti en me disant... Y'a un sniper ici. J'ai l'impression que j'ai niqué l'explosion en ramassant un item. C'est vrai? Y a... bah, je l'ai vu tirer et j'ai pas entendu l'explosion. Attends, non, c'est une balle de sniper ça. Oui, c'est une munition de fusil, je m'en branle. Normalement, il y a un fusil sniper dans le coin. Je sais pas s'il y a pas un gros aussi. Non. Tu veux fusil sniper? Je suis pas très bon pour viser moi, mais on peut essayer. Vas-y, prends-le parce qu'il faut que je te file des munitions. Ça, je l'aurai. Le négationnisme, putain, c'est possible. Là, ça se dit pas, hein. Voilà. Et il me faut ça. Au moment où il y a des choses qu'on a le droit de penser. Parce que c'est drôle. Mais c'est un peu marrant quand même. Mais non. Mais non. Tu n'as pas le monopole de la blague humour noir. Ok. Humour noir. Non, ça par exemple, je dois pas non plus. Ici, encore des munitions de fusil sniper, si tu veux, à deux. Attends, j'essaie de l'apprivoiser. Ici, c'est à droite là, au fond du couloir. Attends, il veut pas franchir ce truc. Et t'as l'habitude de franchir les trucs plus haut. T'inquiète pas, y'a certainement pas un script à la fin du couloir, tu peux y aller.
Fonce, champion. Et alors, y'a pas de script, mais non. Putain, mais t'as son vrai routier. Y'a que dalle. Ah, dis donc, bidon la blague. Voilà. On y va. Genre, du joueur, ça. Ta gueule. Azazel, ça, on peut pas le dire. Ça, c'est un truc qu'on peut pas dire. Oui, ça c'est pareil. Ça, on va pas prononcer d'ailleurs. Parce qu'on tient. Moi, si je prononce ça, j'explose. On tient nos chaînes en fait, que ce soit YouTube ou Twitch. Donc. Oh, bonjour. Casse-toi. Oh, c'est quoi ce rire? Ah, j'ai loupé. Ta gueule. Ta gueule. Et ta gueule, voilà. Ouh. T'as vu le spear, hein, bien sûr. Mais c'est comme, ça c'est comme ça qu'il faut les affronter. Ah, mais t'es là, toi. T'as vu la double tronçonneuse? Elle est géniale. J'aime bien parce que c'est simple. Ils ont juste soudé deux tronçonneuses. Ils ont soudé... Quoi? Ils ont soudé deux poignées et voilà, ça fait une double tronçonneuse. T'as un téton sacrément gros quand même. Oui, c'est un problème. C'est clairement médicalement un problème en fait. Voilà. Faut spire les gens là-bas à chaque fois, attends, Hunter. Peut-être qu'on s'était arrêté par là, parce que ça, je m'en souviens. Oui, je me souviens aussi, ouais. Ah non, pas des trucs qui volent, j'aime pas les trucs qui volent. Tout va bien se passer, Adam. Oh shit! Don't you tell me to smile! Attends, j'ai oublié des munitions là-bas, je crois. Vas-y, fonce, Adam, je crois en toi. Mais non, il faut que tu m'aides. Mais attends, j'ai des munitions que j'ai oubliées là. Mais tu vas libérer la radio, toi? Tu vois pas que tu spams? Ouais, ah, mais c'est pas de munitions en fait, c'est 200 balles. Attends, je vais me faire un petit coup de spray, t'es où? J'avais une blague avec les trucs qui volent, mais je vais rien dire. Surtout qu'on l'a déjà fait, donc oui, tu peux rien dire ouais, si tu veux. T'es trop naze, le truc. Connard! 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 Bouge pas, attention! Ouh, ça rafraîchit! Sur mes tétons! Ça me pique sur mes tétons! Non, pourquoi je peux pas déplacer une arme? Tu veux monter? Combiner, équiper, jeter, c'est bizarre. Ah, mais les munitions de fusil à pompe par terre là! Il me les faut! Ah, tu parles de celle-ci? Mon gars! Il voulait faire une blague sur les B-words. Vas-y, envoie-moi en l'air. Tiens, allez, fonce, gamine! Et là, tu peux tous les niquer normalement, là. Vas-y. Bon courage. C'est la merde. Moi, pendant ce temps, je vais me balader un petit peu et vous montrer les spécialités des Kijuju. C'est la merde. Qui sont là pour ça? Yo. Ah! Y'en a un qui fait un petit papillon. Papillon! J'ai eu! Oui, j'ai participé un peu aussi quand même. Non, oui, bah t'as regardé quoi. Oui, mais ok. bah écoute. On va faire comme ça. Ok, ouais, faisons comme ça. Je te laisse ces munitions. Oh, ils ont le même t-shirt! Approchez pas les mecs. Continue à rester. Ils sont en train de paniquer les mecs! Allez, cassez-vous là! Oh là, la vision! Loupé. T'as entendu les screens? Oui, ah t'as fait les screens. Oui. L'homme blanc face à l'absurde. Tu dis ça parce que... Oui, j'ai rien dit. Mais c'est vrai que c'est moche une chemise. Quand on est... Oh, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ouh. Les munitions, ça se partage pas, mais l'argent, ça se duplique. Oui. Comment vrai? Papillon de lumière. Ramène ton gros cul. Je crois qu'on en a fait exactement la même chanson au même endroit dans l'autre playthrough. Non. Si. Attends, bouge pas, je te donne des munitions. Attends, je vais aller dans le... Voilà. Viens. T'as plus de place? Ah, oui, tu veux quelque chose? Ah bah attends, non, puis t'as plus de place. Eh bah écoute. Bon bah... Je vais jeter ça, tiens. C'est bon, filme-moi une munition. Non, t'as acheté? Attends, y'a quoi là-dedans? Oh, ça m'intéresse. Yes. Donner. Voilà. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Impeccable. Mais finalement, le 9mm, j'ai pas l'impression qu'on va le garder. Hein, parce qu'il y a tellement d'autres trucs. Bah, il y a beaucoup d'armes en fait dans celui-là, mais c'est toujours bien de l'avoir parce qu'il y a beaucoup de munitions qui spawnent pour lui. Bon, le truc, c'est que, étant donné que la munition qui spawn le plus, c'est la munition de... De fusil mitrailleur de PM, celui que t'as. Et ça, j'aime bien. Et le truc, c'est que du coup, ça spawn beaucoup plus que les autres. Donc, ça empêche d'autres munitions de spawner en fait. Donc, quelque part, t'es en train de me parasiter. Cadeau. C'est quoi ça? Ah non, je crois que c'est la suite.
Putain, ça résiste à la balle, ces anges-là. Touloulou, touloulou, tout en chinois. C'est bon, on a pas le même gun. C'est juste une... pour rien que j'ai tiré sur le truc là-bas. Oui, d'accord, oui, c'était pour être sûr. Parce qu'en fait, tu vas devoir aller tout seul là-bas après. Donc, c'est-à-dire que les bidons, ils t'auraient vachement bien servi. Mais c'est pas grave, allez, viens. Bon, ça te dirait que je reste ici? C'est en bas, je crois. Oui, bah okay, écoute, c'est toi qui me pousse alors. Franchement, vas-y, jette-moi, Sheva. Elle va se casser la colonne vertébrale, la pauvre. Il y a des munitions de fusil, si tu veux. Voilà. Oui, mais ce serait pas à moi de partir, ce serait à toi. Moi, je te protège de loin. Il y a de la herbe. Ben non. De la herbe. Non, non, c'est du saut aidé, c'est toi qui vas. Voilà. Allez, fonce, gamin. Par contre, je peux t'aider, je crois. Après, j'ai pas vraiment envie, mais je peux. Je rigole, je vais t'aider. De tout mon être. Soulève-moi, Sheva. De ouf, soulève-moi, Sheva. T'es où? T'es encore sur le plafond? Enfin sur le toit? Ok. Ils arrivent les copains. Oula. Oh la greu. Ça sert à rien. Ça a rien fait du tout. Et t'en as muté deux quand même, je crois. Non mais affronte-les. Voilà. T'inquiète pas, je te couvre. Y'en a qui arrivent d'en bas, fais gaffe. Est-ce que je pense une grenade, tu crois? Oh c'est pas top hein. J'ai oh si, deux, ça va, ça j'ai va, pas ça va. J'ai pas rechargé. Oh, pardon. Je suis un gros teubé, j'ai pas rechargé. J'ai pas rechargé, je vais décéder. Mais non, regarde, tout va bien. Regarde. Tac, tac. Ça aurait été marrant que celui qui a le sniper reste ici en fait, mais quelque part. Oui. Ils sont en train de me tirer dessus aussi, je te rappelle. Hein. Donc si je fais ça, c'est pour toi. Hein. Allez. Ouais, et pour finir la mission. Je descends moi. Non, les agents passent avant la mission chez moi. Ah, oh, je lui ai mis une balle dans les couilles. Pourquoi je t'aide? Tu peux tirer sur le cadenas? Tu peux tirer sur le cadenas? J'aurais tendance à dire que c'est contractuel. T'as des kits de soins? Oui, mais il faut que tu tires dans le cadenas qui est devant la porte de là où je suis. Attends, je peux bien recharger. Est-ce qu'il me reste des balles de soins? Je peux vraiment pas le. Est-ce que tu penses que je peux lancer une petite grenade? Pour non, skip. C'est pas fini. Où est-ce que t'es toi? Je sais pas si je peux genre. Ouh, ça marche pas. Ouh. Tire à Doom. C'est sur le cadenas là? Oui. Et je te. Non, c'est pas le cadenas, c'est ma tête ça. Et ensuite je. Oh, joue, j'entends des gens. Vite. Yes. Eh, je suis là. Voilà. Ah casse-toi, Salam. Oh, il est pas mort lui. Là, il est mort. Tu sais, pour moins que ça, il y en a qui ont fondé des baronneries. Bien sûr. Avec un bidon de pétrole. Comment tu crois qu'il a commencé, Bachar al-Assad? Oh, magnifique. J'aimerais bien sniper quelqu'un, s'il vous plaît. C'est magnifique. J'ai jamais contemplé quelque chose d'aussi déprimant. Il est mort, lui? Il a déjà beublé? Oui, il a déjà beublé, ok. Tu dis comme ça, toi? Je pense qu'on s'était arrêté là. Par là, pas vraiment tout. Écoute, il est 17h42, donc on va pouvoir continuer, nous. Bah non, ça arrête, maintenant. Comparé à nos nous d'avant. Attends, mais non, il y avait plein de munitions. Mais je savais pas qu'il y avait plein. Ah, Dwayne. Attends, y'a pas un gros truc, là? Oui. Ah, si, y'a un gros truc. Oui. Ce truc-là, faut qu'on le bute. Oui, Adwim. Oh putain, j'espère qu'on peut revenir en avant, enfin en arrière justement. Alors déjà une hache qui arrive à couper de l'acier, moi j'y crois pas. Oh là là. Et on peut lui balancer des générateurs sur la gueule si jamais on tire bien. Ah c'est bon, voilà. Allez, bon courage à Damien. Oh la chanson qu'il y a en plus. Ah il y a des mecs là. Ma gueule. Non. J'ai réussi à tirer deux fois dans la hache. Franchement, je me respecte. Non. C'est pas bon ça. J'arrive à deux, bouge pas. Attends. Ah mais il me suit. Attends. Merde. Oui, tire-moi dessus. Tire-moi, vas-y. Merde. Ah, recherche cet abruti. Oh, c'est bon, t'es pas mort. Vite, Adwim. Fonce vers moi, Adwim. Je peux tellement pas marcher. Et merde, j'ai fait tomber le générateur comme un con. Oh. Ah bah. Je me suis pris un truc dans le cul. Oh, y'a pas d'animation comme dans le 4 où tu te fais tailler la gueule. Oh. Oh, je suis déçu. Non, je suis déçu. Là, je suis déçu. Ça, c'est cool ça. On va pouvoir faire un petit peu. Ouais, moi je voulais améliorer mon truc. Je peux améliorer les munitions ou alors la recharge. Ouais, les munitions, allez hop. Voilà. C'est vraiment juste pour le fun parce que j'ai des armes qui sont bien mieux, mais. Attends, je peux te donner ça. Fusil à pompe.
Je vais garder le Hawk quand même. J'ai plein de munitions de fusil à pompe. Je crois que tu l'as abattu. Non, non, il n'y a pas de dégâts alliés, mec. Hein. Je me suis pris une balle, j'ai pas trop compris. Je suis mort au même moment qu'une balle m'a traversé. Bah, c'est peut-être une munition de d'arbalète, on n'a pas de machin. Ouais, je trouve ça très douteux. Oh, j'aurais jamais fait ça, Adwim. Tu m'as buté, fils de chien. N'importe quoi. Bon, allez, j'y vais sans mon 9 mm pour voir. C'est parti, je vais essayer de cette fois-ci caler mes munitions de Desert Eagle. Attends, mais on a plein de trucs à vendre, des germes. Ah non, des gemmes. Même en mourant. Oh ouais, normalement, il n'y a aucun moyen de se buter là. Je te laisse 30 secondes, je vais chercher un coca. Vas-y, vas-y, je vais juste revendre justement les trucs qu'on a à vendre. Mon voisin s'est pas fermé sa porte tranquillement. C'est pas grave. Hop là, voilà. Ça, c'est tranquille. Ça, c'est tranquille. J'ai 9000 balles, je vais pouvoir améliorer encore un tout petit peu mon Zizi là. Lui, il est marrant. Ouais, 9000 balles, du coup, je peux faire ça. Voilà, et il est quasiment au max. Je crois que ça sert à rien de l'améliorer au max. En gros, dans le jeu, il me semble que quand t'améliores à fond quelque chose, tu peux débloquer ensuite, en utilisant des points dans les menus bonus, la possibilité d'avoir ce gun-là avec des munitions illimitées. Donc, c'est ce que j'ai normalement avec donc celui-là, le Smith & Wesson. Celui-là, là, le Magnum. J'ai aussi ça avec donc le Smith & Wesson 500. Qui est sublime hein, d'ailleurs, on est d'accord. Et avec le Desert Eagle, mais bon, comme on est en multi avec Adwim, et je voulais pas non plus rendre toutes les rencontres absolument chiantes, je me suis dit que j'allais pas prendre des trucs améliorés, parce que voilà. Du coup, j'ai des... pas des tic-tac, des pèses. Des tic-tac japonais. C'est comme des tic-tac de par chez nous, qui sont japonais. D'accord, ils ont un accent. Qu'est-ce que... je sais pas. Ah, ils ont un petit goût d'uranium. Ah, tu veux dire c'est des tic-tac hein. Attends, je cherche un coca aussi meuble. Non mais vu quoi, toi. Bon, ça vous fait plaisir. Attendez, le petit bruit. Oh, ça c'est beau, c'est artistique. Est-ce que vous pensez comme moi que Rustian a essayé de m'abattre? Parce que moi, j'ai très clairement vu une balle me rentrer par le cul. Je pense qu'il va, il m'a pas dit, mais il a remis le tirailleur. Il a remis le tirailleur. Il est très fier de m'avoir abattu. Ça va, Rustian? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai entendu parler vite. Je sais que t'as dit des saloperies. Non. Allez, prêt, on y va. Je le verrai sur la rediff, hein, de toute façon. Je ferai des montages. Attends. Avant d'y aller. Je peux pas retourner à l'étage, là? Si. Parce que je suis sûr qu'il y a peut-être un spot où je pourrais le viser. Non, mais il est pas dur, de toute façon. Hein. C'est juste que là, j'étais un peu loin. Je vais lui foutre deux munitions de Deagle. Il va claquer. T'inquiète, ça va être facile. Hein. Non, mais j'ai envie de sniper un petit peu, moi. Ok, bah écoute, ouais, non, y a pas de problème. Je sais pas si. Bah écoute, dis-moi si tu vas en haut, si tu peux voir la ruelle. Si oui, tu peux le sniper, sinon, bah, ça va être chiant. J'ai l'impression qu'ils ont bien calibré pour que tu ne vois pas, en fait. Ça me saoule, ça. Voilà, on va rester comme ça. Ah si, en se mettant là. Attends, est-ce que je peux prendre cette herbe sans lancer le combat? Ah putain, en fait, non, attends, okay. Il faut juste que j'aille sur l'autre bâtiment. Voilà. Il t'a accusé de sa mort. De quoi? T'as dit que je t'avais abattu? C'est ça? Non. Ouais, c'est ça, bravo. C'est pas vrai. Pas jusqu'à ce genre d'extrémité. C'est pas vrai en plus. Mais non, mais c'est pas possible. C'est impossible de tuer ses potes. Et c'est pas possible physiquement. En fait, il faudrait que tu me renvoies en l'air. Mais. Bah, si tu veux, viens. Ouais. Faut retourner dans ce bâtiment là, du coup. Peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être. Un compte bancaire bien rempli. Quoi? Non, rien. Quoi? C'est ici du coup? Ok. Ouais. Non, viens là où je suis. Oh, tu sais une grenade bien placée. Il faut se satisfaire du nécessaire. Vas-y, envoie-moi. Un peu d'eau fraîche et d'héroïne. Et de rotules. Entre potes, on se touche la pine. Ouais, ils ont tout prévu pour que... Vas-y, va l'enclencher, mais bon, à mon avis, je y reviens. Eh bah écoute, je vais tenter. Je vais tenter de l'amener. Oui, le générateur électrique, on peut tirer dessus. Oui, bah, tu feras... Alors déjà, tu me le drops pas sur la tête, je sais ce que tu vas le faire. Et il y a plein d'ennemis qui vont pop aussi. Hein. Donc essaie de me couvrir plutôt avec ça. Les ennemis qui... Pop, t'es où? Qu'est-ce qu'il est en train de viser là? Et voilà. Loud sip. Voilà, je sais pas si. Ok, c'est chaud. Ok, c'est chaud de ouf. Je peux passer quand même? Ouais, je peux passer quand même, ok. Allez, c'est pas. Tu mettre une balle pour le réenclencher? Non. Allez, ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà, hop, me casse. Vite Adwim!
Est-ce que tu penses que je peux lui en caler déjà? Dans le générateur, dans le générateur, Adum. Dans le générateur, vite. Derrière toi, recule, recule. Casse-toi, maître Gims. Oh, comment je t'ai aidé? Tiens, boum. Oh, le headshot. On l'a enculé, oh, et bah voilà. Oh, le... Ouais. Oh, le headshot sur ton habit, mec. Casse-toi, Hideo Kojima. Voilà, hypercute. T'as vu la bonne équipe qu'on est, là? Franchement, ouais, franchement. Franchement, bravo à nous. Voilà, et bah voilà, tu vois. Quand on est un petit peu organisé. Un tout petit peu organisé. Ça finit forcément par rigoler, c'est ce qu'on appelle le travail. Master Shooter. Évidemment, Master Shooter. Toujours Master Shooter. Qu'est-ce que tu fais, Adum? Il faut se casser, du coup? Oui. Je vois ton laser, Adum. Tu vois mon laser? Je vois tout le temps ton laser, Adum. Voilà. Je voulais simplement voir si ça fonctionnait encore. Bien sûr. Bien sûr. J'aurais tiré dès que tu serais éloigné de lui. Le chien. Non mais tu peux passer à côté de toute façon. Ça fait mal ou pas? Mais non, ça fait juste un petit coup de jus en plus. À l'habitude de porter des coups. De jus. Les coups de jute. Bah oui, des coups de jute. Qu'est-ce qu'on a? Y'a rien ici? Eh bah écoute. Tiassons-nous dans ce petit champ de blé? Si on avait l'occasion comme ça de rejoindre Resident Evil avec nos nous du passé, qu'est-ce qu'on se dirait? Déjà, je pense que je me supporterais pas, moi, donc... Bah, oui, déjà, évidemment, mais... Je sais pas, je pense déjà que les nous du passé n'auront de cesse de nous trahir. Parce qu'on était vraiment des sales fils de pute, quand même, à l'époque, tu vois, il y a 10 ans. Là, on est quoi? Parce que t'es dire que depuis, ta mère, elle travaille plus dans le milieu. Non, elle est passée à Mackerel, maintenant. Mais je me dis que... Non, non, ouais, on serait vraiment infâme, en fait. On serait vraiment infâme. Je pense qu'il y aurait une version de nous en trop. À part moi. À part moi. Tiens, ta gueule, le corbeau de merde. Je crois qu'ils avaient plein de trucs ici, les corbeaux, qu'on aurait pu choper. Ah non, non, c'est là où on s'est arrêté. Exactement là. Oh putain, exact. Ok, t'es chaud? Non. Tu connais les boutons? Non. Ok, ça va être génial. Je déteste ce jeu. Après, ça va super bien avec mon costume. Tu noteras. Oh my god. Quel joli téton. Oh mon dieu païen. Mon faux dieu. C'est marrant, le micro il a même pas fondu. C'est beau un corbeil. C'est intelligent en plus un corps vidé. Bah c'est mon arrière-grand-mère, elle avait un corbac apprivoisé. J'aurais été dire mon arrière-grand-mère elle avait un corps vidé. T'as compris le corps vidé? Oui mais aussi, okay, mais après okay. Le corbac. On a mis des patates et des fours. Elle avait vraiment un corbac de compagnie. Elle avait une photo d'elle où elle avait un corbac. Faut faire quoi? Fais appuyer sur A. Je l'ai fait. Tu connais pas mes touches, moi. Bah écoute, fais ton maximum. Heureusement qu'on les fait avec la manette. Ok, mais c'est bon. Je crois qu'avec le clavier, il y a un problème de mapping au niveau de ça. Oui, ouais, bien sûr. C'était n'importe quoi. Ça a été qui là? C'est à qui? Je sais pas si c'est pas la dernière, ça. Je crois qu'il y en a que deux. Et ensuite, faut les éclater avec les guns. Oui, ça s'improvise, les corbeaux. Ça s'apprivoise. Ça s'improvise. Je me suis improvisé, corbeau. Oh putain, j'ai fait au pif. T'as fait LTRT, quand même. Oh putain. J'ai plus l'habitude, moi, de faire ça. Oh. On est en train d'être sauvé par quelque chose. Ou quelqu'un. Je me souvenais même plus de ce personnage. Moi non plus. Ah oh, oui, c'est l'équipe Alpha aussi. Enfin, c'est un bout d'équipe Alpha. Oh, quelle belle balle. Oh la vache. Ça fait qu'une balle dans un réservoir, ça explosait pas. Bien sûr. Je pense que tout le monde savait ça, mec. C'est les vapeurs d'alcool qui explosent l'essence liquide. Et, c'est un point de fusion vachement haut. D'accord. Enfin, un point d'enflammation. Donc il faut laisser en fait l'essence bien s'évaporer. Et ensuite... Les vapeurs d'essence, ouais, ça part très très vite, mais une allumette ou non, une cigarette dans de l'essence, ça s'enflamme pas. Pense, Mais alors, Jamy, est-ce que l'essence, ça mousse? Ouais, comme le pipi. Je sais pas, tiens, allez, l'essence, ça explose uniquement sous pression.
Les mecs qui ont rien à dire, du coup ils prennent des grosses cibles. Waouh, regarde sa SD card, je suis sûr qu'il y a au moins 38 mégas de données là-dessus. 38 mégas 38 mégas non, on était en 2010 quand même. En 2010, putain. Bah écoute, t'imagines, on était à peine majeur. Enfin, on était majeur de. Toi t'étais majeur, moi j'étais pas majeur encore. Ah, il était pas majeur. Ouais, c'est un peu la honte. Oh, la honte, t'étais pas majeur. Ah, moi j'avais déjà une carte de crédit. À mon anniversaire, à mes 18 ans, il y avait un pote qui m'avait offert un tablier avec la bite qui dépassait. Genre, il y avait une fausse bite en peluche, tu vois, qui dépassait du tablier. Comme si c'était mon zizi, en fait. Mais par contre, récemment, j'ai vu une voiture qui en a percuté une autre, et ça explose pas, déjà. Mais d'un coup, t'as le moteur qui s'emballe et t'as plein de fumée qui se dégage, c'est impressionnant. Oui, le moteur il pète un plomb, c'est normal. Bah, c'est que t'as plein de trucs de liquide sous pression dans. Putain, j'ai tiré comme une merde. Et t'en as pas tué beaucoup aussi, mais c'est pas grave. Ok. Organiser. Alors, c'est chiant qu'on puisse pas acheter de munitions quand même. C'est un poil relou, je t'avouerai. Mais ouais, moi ça m'énerve par exemple. Peut-être que tu me vois, je suis en colère là. Nous sommes très énervés. Oui, nous le sommes. Non, ça c'est pas vrai. Alors ça c'est pas vrai. Je ne te laisserai pas dire quelque chose de comme ça. Non. Oh non. On a des trucs à vendre. Merde. Attends, est-ce qu'on peut vendre directement comme ça? Non, ok. C'est bon. Ok, attends. J'ai pas fini de vendre des trucs, on a plus d'argent. Bah ouais, plein d'argent, putain. Ok, mais y a des trucs qui vont coûter cher en moins, parce que là j'ai déjà 20 000 pratiquement et... Oui, t'as des améliorations qui valent 20 000, 30 000 après... Faire ça, attends, je vais améliorer. Je vais améliorer... J'ai rien à améliorer, si lui je peux l'améliorer encore, c'est 10 000 pour ça... Et ensuite, eh bah écoute, il me faudra 15 000 et je pourrais améliorer mon SIG P226 au maximum. J'ai amélioré la pénétration de mon arme. Et la bagnole, ça explose pas, je le sais bien, parce que la semaine dernière, deux bagnoles ont cramé en bas de chez moi. Oui, c'est vrai. Un matin, je me réveille, Momo m'avait envoyé une photo, il y avait deux bagnoles qui avaient cramé devant chez lui. C'est quand même sympa, Angers, hein. Après, on va pas généraliser, c'est toi qui les as cramés, c'est ça? J'avais froid. J'allais faire une blague vraiment dégueulasse que j'aurais... T'allais faire quoi comme blague? Que j'aurais regretté. Non, on est entre nous. J'allais dire... Est-ce que je peux me muter? Attends, tu sais quoi, regarde? Je vais me muter sur le stream, mais pas sur le Discord. Vas-y, balance. Attends, bouge pas. Voilà. Vous pouvez m'entendre, bonjour. Mais non, Vanille, elle était dans un... Ah. Putain, t'es vraiment dégueulasse, mec. T'es vraiment un bâtard. C'est toi. C'est toi, putain. Non, c'est toi plus. N'importe quoi. Allez, c'est parti, là. Ah, t'étais prêt depuis une minute, en fait. Okay. Je crois que depuis tout à l'heure, j'ai le son sur le live. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Mais il y a plein de gens qui n'auront pas la référence. Oui, non, c'est juste un très bon de un très bon goût de glace. Moi, j'aime bien. La vanille, ouais, c'est bon. Mm-hmm. C'est vachement bon, la vanille. Mm-hmm. Surtout quand c'est jeune. Faut pas la laisser maturer. Elle bronzait au lait de coco. Ah, c'est ici, c'est cette scène-là, d'accord. Dans un sac. C'est... Oh non, non, c'est trop frais encore. Non, enfin. Non, ta gueule. Non, je refuse. Est-ce que tu sais que le passage juste après ce passage-là, c'est un passage dans les mines? Ça fait longtemps, j'ai pas regardé. Ouh, les hyènes, elles passent sous le truc. T'as vu, c'est une petite hyène, c'est mignon, une hyène. Une hyénasse. Tu sais que dans Le Monde Perdu, comment s'appelle déjà cette connasse? Alan Grant. Non, t'as Malcolm et sa copine. Merde, la copine d'Alan Grant dans... Non, d'Alan Grant. De Malcolm dans Le Monde Perdu. Non, ça, je sais pas, mec. Je peux pas t'aider. Merde. Ah, ça va t'obséder, là, mec. Je m'en fous, je vais aller voir. Mais attends, Adwim. Non, je vais aller voir. Adwim. Je vais aller voir. Oh putain. Oh, j'aurais dû jouer avec l'IA. Alors, Sarah Harding. Bah voilà, Sarah Harding. Voilà. En plus, on s'en foutra, mais dans le livre, Sarah Harding, elle étudie les yens. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on s'en branle. Il y a quelque chose au moins que t'as de vrai dans toute ta phrase. Oui. Et c'est mignon, les yens. Et ouais, elle est spécialisée dans la yen. Et c'est quoi? Elle veut montrer en face du monde que la hyène, en fait, c'est un animal social qui est souvent mis de côté par rapport au lion. Mais en plus, les structures sociales de la hyène, je crois qu'elles sont plus compliquées que les lions, en fait.
Alors, faudrait demander à Michael Crichton, mais je crois que c'est ça en tout cas. Il est mort, Michael Crichton. Mais c'est pas grave, j'ai des potes médiums, je peux te promettre qu'on peut s'arranger, mec. Hein. Comment t'as fait pour monter là-dessus, espèce de bâtard? Bah, faut monter sur les caisses derrière. Là, là, regarde, tu vois où je suis? Tu montes sur les caisses qui sont à gauche de moi? Attends, je suis un abruti. Oui. Oh non, putain, j'ai. Attends, j'ai vu un item par bizarre. Mais non, de l'autre côté, Adam, c'est de l'autre côté. Non, 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 putain. Attends, j'essaie. Oh, t'as mis des coups de machette. Coups de machette à un chien. J'ai vu un truc à ramasser. Ça. C'est bon? Bah, attends. Dis-moi pas que c'est pas un truc à ramasser, ça. Si, si, mais faut le ramasser par là, regarde. Hop. Ah oui, faut le ramasser, faut pas le taper. C'est bon. Putain, je me suis dit, mais c'est cool ce truc bizarre. Y'a des munitions à ramasser, Adam, y'a des munitions à ramasser, hein, des chiens là. Ça se vend bien la hyène? Je sais pas, je t'avouerai. Bah, j'imagine que oui. Bah, tous les dealers et les chefs de guerre africains ils en veulent, donc à mon avis, c'est que ça doit bien se vendre. Hein. Ça aide la légitimité. Non, c'est pas vrai, ils travaillent dur, d'accord. Demande à Birds of Prey. Pourquoi? Il y a une hyène dans Birds of Prey? Ça se mange la hyène. Mais ça se mange autant que le chien, quoi, mais bon. Attends, c'est par là, c'est par là. On peut passer par là, je crois. Tu vois, c'est par là qu'il fallait aller. Ensuite, tu montes là. Est-ce que quelque part, t'es pas un peu curieux pour la viande humaine, Adwim? Non. Est-ce que t'aimerais pas goûter, quand même? Bah, j'ai déjà goûté, c'est pas très bon. Avec la cruauté dedans. De la cruauté. Moi, je voudrais de la viande d'une personne immonde socialement. Putain, tu l'as vu. Bah oui, je l'ai vu, je suis pas débile. Attends, attends, c'est la suite. Je crois qu'il y a un trésor avant, à choper avant ça, en fait. Je me suis gouré. Attends, reste là, toi. J'ai tellement envie de descendre. Je crois qu'il y a... Non, déconne pas, hein. Je crois qu'il faudra que tu m'attendes de toute façon, donc... Ok, et je crois qu'il y a un truc... Voilà, ça. Fallait pas l'oublier, ça. C'est des munitions de mitrailleuse. Non, c'est quelque chose. Tu fais très bien le caca. Ouais. C'est des années d'observation et des années d'entraînement. Oh! Christian! Christian! Quoi? Oh non, Adwim! Oh le con! J'arrive! Oh le con! Oh le con! Oh le con! Oh putain, Adwim! Qu'est-ce que je t'ai dit? Adwim! Oh putain! Quoi? Il est où? J'ai enlevé les trucs explosifs! Oh putain! Y'a rien derrière là? Oh là. J'ai enlevé les trucs explosifs, oui, j'ai vu avec ta tête, Adwim! Et avec mon air désespéré. Oh putain. Je suis en retard, sorry, bah oui, parce qu'on va couper le stream dans pas longtemps, donc... Ah oui, ça tombe bien. Bah c'est comme tu veux, après à deux, moi je peux continuer, mais c'est comme tu veux. Bah tu continues tout seul. Ah non. Tiens, sans ta gueule, espèce de chauve-souris de merde. Attends, il est quelle heure? On peut continuer une demi-heure et on verra pour un peu plus. Et bah écoute, regarde ce que je vais faire, c'est que moi je prends le projecteur, et toi tu... Et toi tu y vas, d'accord? Attends, bouge pas. Non, on peut pas le casser. C'est une bonne idée, ça. En plus, je crois que si on regarde pas, c'est pitch black, non? Non? Ah non, ça va, en fait. Ah, y'a Nomura qui veut une blague pourrie. Nomura, raconter une blague pour Rav. Eh bah écoute, attends, bouge pas. J'en prends une vite fait, je vais sur blague drôle. Tu peux la raconter? Je peux te l'envoyer, si tu veux, ouais. Bouge pas. Envoie-la-moi. Ça va être une blague humour noir, je vais prendre la plus trash, comme ça, c'est toi qui l'as dit. Attends, bouge pas. Tu te rappelles la vidéo de tout à l'heure? T'as vu la vidéo de tout à l'heure de Super Connery où il a fait un gyroscope? C'est un. Oui, une steadicam en fait avec une poule. Avec une poule. Et le pire, c'est que ça marche en truc. Et celle-là, mais elle est un peu. Elle est un peu. Elle fait un peu collège, quoi. Mais c'est pas grave, je t'envoie en privé si tu veux. Vas-y, envoie. T'en as une autre sous la main ou. Ouais. Bouge pas. On va pas la dire celle-là parce que. Tiens, elle est revenue une deuxième fois, lui. Troisième fois. Sinon, on va la faire si t'en trouves pas. Je comprends. Celle-là, elle me fait rire. Elle me fait rire, mais elle est un peu nulle. Ah, c'est pas grave, elle a pas demandé une blague drôle, elle a demandé une blague. Nomura. Combien y a-t-il de Somaliens en Somalie? Environ 500 grammes. Environ 500 grammes. Oh, la punchline la plus éclatée de l'histoire de l'humour. Et celle que l'original ne voulait pas dire, c'est pourquoi les Noirs n'ont pas de ligne de la main. Parce qu'ils sont... Ah, ça me lance d'un coup. Oh, une plante verte. Non, c'est pas une plante verte. C'est une plante rouge, mais...
Ok, tu viens par contre parce que sinon je vais me faire attaquer. Quoi? C'était quoi ça? C'est ça qu'il a dit. Je sais pas s'il est mort. Il est mort par terre ou pas? Mais oui. Non. Oh 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 oh. Non mais oh, non mais attends. Putain, faut tout faire ici. Casse-toi. Bon, en même temps, t'as vu de quoi t'es équipé toi? Bah quoi? Tu pourrais pacifier le pays avec ton truc. Eh bah c'est ce que je fais. Hoffman, alors, il Thomas, a trouvé, mais on va pas répondre. Peut-être qu'il a derrière, Adoum, derrière, Adoum, oh. Ah, j'ai encore maintenant ma lampe. Ouais, je t'éclaire. Voilà. Oh putain de bordel. Ça remonte des munitions en plus, cette saloperie. Voilà. Ah. Voilà, un peu calme. Ça, c'est des grenades flash. Alors, quand le truc... Qu'est-ce que tu fais, Adwim, tu vas faire une connerie. Adwim, t'es en train de faire une connerie, là, je le sens. Alors, il faut savoir que quand l'espèce de verre, il sort la tête des gens... Putain, on voit que dalle, c'est super bizarre. On voit rien. On voit... Mais qu'est-ce qu'il est chiant, mais c'est pas possible. Oh, le petit frère relou, quoi. Oh, putain. Quand tu vois le verre qui sort de la tête des gens, on balance une flash, Adwim. Ça les instant kill. Avec mon appareil photo. Monsieur Anne, ne me laisse pas dans le noir, s'il te plaît. Je me casse. Attention, tac, prends ça. Si les gars, alors, ça a toujours pas le droit de vote. Droit de vote. Tiens, c'est les cadeaux. Oh, oh, ouh, yes. J'adore ce truc. Qu'est-ce qu'il fait, Adwim? Pourquoi il est silencieux comme ça? Adwim? Ma lampe, elle est où, Adwim? Où t'as mis la lampe, Adwim? Ah, il est où? Putain, il est parti où? Mais qu'est-ce que t'as fait? Adwim! Non mais legit, elle est où la lampe? Adwim! Putain! Eh, je m'en fous, moi je continue. Hein. Tu sais que le problème, c'est venir jusqu'ici, Adwim. Hein. Moi je continue. Hein. Attends, je ramène la lampe. Ouais. Oh putain, y'a des ennemis, Adwim. Oh, on les voit bien en fait. Ah, oh, c'est éclaté en fait comme ça. Casse-toi où la lune ne brille jamais. Casse-toi, Run DMC. Tac. Oh, la lumière. Le matin, quand je me lève, il est là. Il est là. Tu m'as laissé tout seul avec une grosse lampe à la main. Il y avait un. C'est la merde. Je sais pas si vous avez vu le chat, mais il y avait un serpent dans la boîte et il m'a loupé, cet abruti. Il y a un serpent dans la boîte. J'ai un serpent dans ma grosse bite. Oh, il y avait un œuf. Tiens, attends, approche-toi de moi, voilà. Hop, impeccable. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Aïe. Mais c'est quoi? Un truc qui m'a mangé? Je t'ai lancé un œuf. Putain. Oh putain. Ça fait rire en y'en plus. A, hein. Ouais, t'inquiète. Casse-toi. Putain, mais t'es en god mode. Oui. Hop, bouge pas, je recharge. Voilà. Je crois que ça existe vraiment un fusil de chasse comme ça. Avec 3 balles. Bouge pas, reste là. Rapproche-toi de moi. Voilà. Oh, j'ai cru que t'allais faire une connerie. C'est bien, ça remonte. Ouais, ouais. Y a un petit hide-out avec des trucs. On va pouvoir mettre du courant. Ouvre le. Non. Faut ouvrir le coffre. Dedans, y a une. Ouais. Un diamant brut. Ah, ben. Oh. Ah, fuck. Ah la vache, ça pique en plus. Tiens, je vais me foutre ça. Ça a corrompu les femmes, donc je veux dire que... Oh, elles avaient déjà un peu cherché avant, quand même. Elles avaient un petit peu cherché, la tête. C'est pas... oh. Je suis sûr qu'avant que le serpent, il soit là, elle disait, tiens, je mangerais bien quand même une petite pomme, tu vois. Attends, comment on fait déjà? On va faire ça, voilà. Couvre-moi. Ouais, tu me couvres? Vas-y, passe de l'autre, t'es coups. Là, maintenant, Adwim, faut me couvrir. Non, comment on fait déjà? Bah, rouvre. Non, je peux pas en fait, si, à partir du moment où je lâche, ça ferme la porte en fait. Va falloir que t'ailles trouver l'entrée, je crois. Va falloir que t'ailles trouver le... Oh putain, pourquoi j'ai essayé de me faire ça? Oh putain, il va attendre une demi-heure en plus. Il est déjà en train de se marrer, ça me plaît pas ce rire, Adwim. Hein. Il est là, j'ai trouvé les noirs. Triple barrel gun, ça existe, ok, d'accord, ok.
te vois ramasser des trucs à Dwim, hein? Non. Putain, comment je peux faire? Comment ça, come on? Je la vois d'ici, la manette en plus! Oh putain. Ça, tu la vois? Ah, ça là. Adwim, Adwim! Je vais venir chier dans ton frigo, Adwim. Hein. Adwim. Encore? Adwim, je t'en supplie. Quel enculé, il le fait super bien! Attends, mais c'est chiant, il faut faire ça! Faut faire, ouais, faut faire des ronds avec son LS, ouais. Adwim, Adwim. Ça t'a tué? J'adore. Oh, putain. Pourquoi il est comme ça? Ah! Je savais, j'ai pas bougé. Je savais. Je savais, mec. Bon, allez, dépêche-toi. C'est bon, il a été réglo, il a été réglo. Alors ça va pop dans tous les sens ici, c'est une partie qui est un peu compliquée. Mais rien qui va nous... Oh lolo. Attends, faudrait se mettre où là? Je crois qu'il y a des lance-roquettes. Ah bah c'est vraiment, c'est génial. Non mais contre nous, je veux dire. Oui, c'est génial. Non, c'est super, ok, d'accord. Ah. Merde. Connard. Cassez-vous là. Ouais, ça va être le temps de trouver l'ami le plus fidèle là. Salut Inaria, ça va mec? Sur nous, ça va moyen là. Ça, c'est même carrément la merde. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. La caf. Mais si tout va bien, écoute, si tout va bien, Elinaria, on va fermer nos gueules. Tiens, enculé. Mais ici où? Merde. Parce que nous ici, là, c'est la merde. Ping dans le cul, tiens. Ouh. Oh, comment il m'a enculé. Oh là 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 là. Il y a un ennemi qui a dit ouba ouba. C'est pas moi, c'est le jeu! Oh putain! Bien sûr, il sait être gentil, mais faut mieux pas être son ennemi. Oulala! Ouba, c'est lui! Vite. Voilà. Je me casse. Toi, tu meurs. Je suis en train de faire du foot, moi. Voilà, nique ta race. Non, recherche pas maintenant, espèce d'ahuri! File-moi ton or, Rosh Hashana. Hey, Shana Tova! Qui que tu sois, Jiru ou Paris, so call me baby. Ah hop. Là, je panique. Moi je suis en train de looter tranquille. Ah bah merci. Est-ce qu'on peut monter d'une autre manière que par cette putain de... Il est con lui ou quoi? Bah oui mais tu vas chercher. Il est mort d'une crise cardiaque. Oh là là, j'arrive à Doom. Tout va bien. Don't worry, I'm coming. I'm coming! Je sais pas si je peux aller directement de l'autre côté là. Si, c'est bien fait! Heureusement que je laisse le flingue. It's hard to look right. Putain, j'ai du Carly Rae Jepsen dans la tête maintenant. Oui, parce que je me souviens de son nom moi. Ah le salope! Mais recharge pas, espèce d'ahuri! Attention! Bim! Ouh! Bim! Oh, j'adore ce fusil de chasse! Oh, qu'est-ce qu'il est bien! Non, je veux pas le munition sur le fusil, je veux juste monter! Oulala, je l'ai mis en pleine tête. Carly Rae Jepsen. Attends, je te l'ai tué avant que tu le tues ou pas? Non, je lui ai mis une cartouche, je crois, pourquoi? Parce que en même temps, on a tiré, j'ai voulu ton... Ah, peut-être... on a peut-être tiré dessus, oui, t'as peut-être tiré dessus avant, hein. je sais pas. Je sais pas si j'ai pu ramasser les trucs parce que j'ai... Je paniquais, en fait, je courais sur la corniche je là, sais, en continu. Je sais plus s'il y a beaucoup de choses à ramasser ici à demain. Ça date de ouf. Ah bah oui, ça date de par ouf. Par contre, j'ai plus de munitions. Récemment, j'ai réécouté, moi, Gangnam Style. De Psy. Et j'aime bien cette chanson. Wop, Gangnam Style. Les gens avaient pété un plomb quand c'était sorti et je sais pas pourquoi. C'est un peu une chanson nulle. Enfin, elle a rien de ouf, quoi, mais... Ah, mais il a une dynamite, lui. C'est de la dynamite. Voilà. Impeccable. Il a quoi sur lui? Des munitions de mitrailleuse. Putain, mais il y a plein de munitions pour toi et pour moi, il y a rien. C'est quoi le truc au mur là? C'est bleu. Mais en fait, c'est parce qu'avec le truc qui enlève le filtre, les trous de balles sont un peu plus bleus. Et bah, donc... ils sont carrés. Ils sont totalement bleus. Ouais, je sais pas pourquoi. Est-ce que t'as écouté Gangnam Style après avoir regardé Parasite? Non. Non, quand même pas. Mais j'avais adoré Parasite. Ah, ouh, ça peut fuck. Être...
Hop, petite grenade. Oh la vache. Oh putain. Si on se soignait, tiens. Oh, je peux pas me soigner, j'ai rien pour me soigner. Bah viens, viens, je crois qu'on peut. Ouais, je suis à côté. Ouais, ça va pas être top, mais bon, c'est tout ce qu'on a, hein. Putain, c'est médiocre. Médiocre. Ah, ça va bien avec mon costume, ça, en plus. Y'a rien. Je crois, ouais, il me semble.